Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la 18e nuit européenne des musées, au musée départemental de la faïence et des arts de la table. Au menu ce soir, le spécial Pierre-Brice Lebrun, qu'on nomme aussi l'appel du ventre. En entrée, vous aurez des légendes qui circulent depuis longtemps et qui ont la vie dure, les pattes découvertes par un certain Marco. En plat de résistance, des histoires étonnantes, savoureuses et croustillantes. Enfin, en dessert, les petits secrets de Pierre-Brice qui feront de vous un champion de la table. Je vous souhaite de passer une soirée délicieuse avec Pierre-Brice Lebrun. Mais quelle entrée en matière. Alors, ça doit vous paraître bizarre qu'on parle dans les micros alors qu'il n'y a pas de sono. C'est parce qu'on est en direct sur Facebook et que du coup, ça, c'est le son de Facebook. C'est bizarre de parler dans un micro quand il n'y a pas rien. Ça fait mec qui n'est pas complètement. Mais non, je ne le fais pas exprès. Hein, c'est pas moi qui veux. Donc, on va faire un voyage ce soir, si vous voulez bien. On va faire un voyage gustatif, évidemment, mais aussi géographique. On va faire quelques kilomètres. On va rencontrer des tas de gens. Et on va finir par répondre à une question cruciale, puisque je vais vous expliquer qui est responsable de la mort de Kennedy, même si c'est. On va dire un peu une histoire compliquée, mais ça a commencé comme ça. Et donc, on finira avec la révélation de ce secret. Vous allez me dire, c'est pas gustatif, mais si, parce que c'est une histoire de patate en dessous. Enfin, je vous raconterai ça. On va commencer le voyage en Jordanie, à Petra. Alors, Petra, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une ville absolument magnifique de Jordanie. C'est une ruine superbe. On est au la capitale du royaume nabatéen. Et donc, pour rentrer dans Petra, on a 1,5 km de chemin, et il fait souvent chaud, c'est la Jordanie. Et ensuite, on a 1,5 km, un peu plus, dans un étroit chemin entre les rochers, un petit défilé qu'on appelle le Sikh. Et au bout de ces 3 km, on arrive devant le trésor, qui est le monument emblématique de Petra. Et souvent, les touristes arrivaient devant le trésor, ils ont déjà fait 3 km, il fait chaud. Ils font quelques centaines de mètres et puis ensuite ils repartent puisqu'il faut refaire 3 km dans l'autre sens. Et Petra est grande comme la ville de Paris. Et donc c'est gigantesque. Le mieux, si un jour vous y allez, je vous encourage fortement à y aller, c'est quand on arrive à Petra, très vite dépasser l'entrée où il y a plein de touristes, aller visiter la ville qui est somptueuse et vous n'avez pas assez d'une semaine ou de 15 jours pour faire le tour. Et ensuite, en repartant, de repasser devant le trésor où Indiana Jones a cherché des trucs, mais il n'y a rien derrière, hein, c'est juste un tombeau. Et pourquoi je vous parle de Petra? Parce que Petra, c'était donc une énorme ville fortifiée avec des entrées. Et chaque entrée était protégée par un petit défilé rocheux. Et de l'autre côté de l'entrée principale, il y a ce qu'on appelle la petite Petra. Et la petite Petra, c'est une espèce de, après le défilé rocheux, une espèce de place avec des tombeaux, avec probablement jadis des boutiques, où les visiteurs s'arrêtaient, descendaient, étaient sûrement contrôlés, payaient un impôt et ensuite rentraient dans la ville. Et pourquoi je vous parle de la petite Petra? Parce que si un jour vous allez à Petra, vous allez voir que sur le site travaillent énormément de bédouins. Et que le mieux, c'est de discuter avec eux et de leur demander de vous préparer pour la soirée, un repas dans la petite Petra, qui n'est pas surveillée du tout, et donc on peut aller manger le soir dans la petite Petra. Ils vous préparent un pique-nique, et le pique-nique, ça va être un plat bédouin classique, donc soit un mensaf, soit un maglouba, qui sont des, on va dire, des cousins du couscous, avec de la chèvre dedans, viande de chèvre ou de chevreau. C'est le plus cher quand il y a la chèvre ou le chevreau. Ils essaient de négocier, c'est les bédouins, hein. Donc les bédouins, par définition, c'est des commerçants, et donc ils vont négocier. Et passer la soirée dans la petite Petra avec des bougies tout autour, parce qu'il n'y a évidemment pas d'électricité, avec ce mensaf, ce maglouba assis sur des tapis, c'est un souvenir absolument incroyable. C'est très agréable, et puis surtout, il n'y a pas de couvert. Si vous insistez, ils vous donneront des cuillères, mais on va manger à la bédouine, c'est-à-dire assis sur un tapis, il y a un grand plat, et pour manger, avec la main droite, on va faire des petites boulettes. Et c'est le début, c'est l'origine de la boulette, en fait. C'est pour ça que l'homme faisait les boulettes avant d'avoir des couverts. C'était pour porter la nourriture du plat à la bouche. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec du riz et ça a commencé avec tous ces plats qu'on partage et qu'on va manger avec les doigts, ce qui est beaucoup plus charnel et beaucoup plus agréable. Ça continue dans certaines contrées sauvages. N'allez pas en Belgique manger vos frites avec une fourchette, vous allez vous faire sortir. Les frites, ça se mange à la main. Même au restaurant, vous mettez... Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Tiens, voilà, tu as raison, tu ne te laisses pas faire. Les frites, c'est à la main. Pas le reste, hein, pas la saucisse, hein, juste les frites. Mais les frites, c'est forcément à la main. Et donc, la boulette, elle est née comme ça, par cette idée qu'avaient les gens de vouloir manger comme ça entre eux et de porter la nourriture à la bouche. On reviendra à Petra tout à l'heure, on viendra tout près, parce que
Quasiment toute cette histoire de gastronomie, de cuisine est née dans les environs. La terre, on va dire, où tout ça est né, c'est la Mésopotamie. C'est-à-dire juste après le royaume des Nabatéens, on est entre Oman et la mer Méditerranée, donc l'Arabie Saoudite, et un peu plus loin l'Irak, la capitale de la Mésopotamie, Babylone, étant tout près de Bagdad. Et c'est là qu'en fait tout est né, et on verra tout ce qu'on leur doit à ces Mésopotamiens qui nous ont amené énormément de choses qu'aujourd'hui on a le plaisir de pouvoir manger. Le mensaf et le maglouba, je vous disais, c'est des cousins du couscous. Et le couscous, c'est une histoire sympa dans la gastronomie, parce que c'est pas du tout un plat, comme on dit maintenant, arabe ou qui a pris beaucoup de place dans la nourriture des Français. C'est un plat qui est bien plus ancien que l'arrivée des Ottomans au Maghreb. C'est-à-dire, c'est un plat kabyle. Donc on remonte à des siècles, voire probablement des millénaires avant Jésus-Christ, autour de ce couscous qui n'avait absolument aucun succès en France. Quand est-ce qu'il est arrivé en France, le couscous? Il est arrivé en France quand les pieds noirs sont revenus d'Algérie. Et c'est comme ça que le couscous est devenu un plat que les Français aiment bien. On a pu communiquer. On a pu communiquer en disant c'est un plat pieds noirs. Hein, c'est bon comme là-bas, avec l'accent, etc. Donc ça devenait un plat sympa. Et on lui a piqué, on va dire, sa filiation kabyle et sa filiation locale. Et ça, on l'a souvent avec les plats. C'est-à-dire que très très souvent, on va avoir une légende qui va être inventée. Et sur à peu près tous les plats qu'on connaît, il y a une légende inventée. Et cette légende va avoir un but commercial. Et donc c'est souvent. On va en reparler des pâtes. Si Marco Polo a été choisi pour être l'ambassadeur des pâtes, ce qu'il n'a absolument jamais été, c'était aussi pour ça, pour les rendre exotiques et beaucoup plus agréables. Et donc le couscous est devenu important en France parce qu'on l'a attribué à une population qui ne l'avait pas inventé. Et on le retrouve souvent, ça, la choucroute est devenue très importante sur Paris principalement, dans les brasseries, quand les Alsaciens ont quitté l'Alsace entre à peu près 1830 et 1880, et quand ils se sont installés à Paris. Il fallait qu'ils fassent manger des spécialités locales, et donc ils ont transformé la choucroute, qui à la base est simplement du chou, ils l'ont transformée en choucroute royale. Et c'est pareil pour le couscous. C'est-à-dire que quand vous allez au bled, vous avez rarement un couscous royal. C'est pour les mariages. Mais il y a des couscous, vous avez juste la semoule et les patates, ou la semoule et des sardines, ou la semoule et quelque chose. Et donc ces plats ont été transformés pour plaire à la population, pour devenir, on va dire, bankable, ou pour avoir un petit côté de star. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec les pâtes et Marco Polo. Les pâtes, elles ne sont pas du tout nées en Italie, elles ne sont pas du tout nées en Chine. Marco Polo n'a absolument rien rapporté. On a des traces d'une usine de pâtes un siècle avant la naissance de Marco Polo en Sicile, exactement à Trapani. C'est la première usine de pâtes connue. Et je vous parle de ça, on est en 1154. En 1154, il y a une usine et qui fonctionne depuis un moment puisqu'elle est visitée. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, la Sicile est normande. Elle appartient à notre bon roi René. Il s'appelait René le roi. Ça, je sais pas, ça fait pas. C'est Louis, tout ça, François, ça jette, mais René. Ben, je ne sais pas s'il y a des René dans la salle, mais un roi René, ça. Tout de suite, donc le gars était normand, il n'est jamais sorti de Normandie. Il était le roi aussi du royaume de Naples et de Sicile. Et comme il ne voulait pas sortir de Normandie, il a embauché un géographe journaliste qu'on appelle Al-Idrissi. Et il lui a dit, ben, tu vas te balader dans mes royaumes, tu me fais des reportages et tu me les ramènes. Et donc, il est allé à l'Idrissi visiter cette usine de pâtes et il raconte exactement comment ça se passe. Donc, 100 ans avant la naissance de Marco Polo, donc il n'est pas encore parti, il n'est même pas né, on a déjà des pâtes en Sicile et ensuite on a des tas de traces de pâtes dans toute l'Italie bien avant qu'ils reviennent. Pourquoi on a inventé cette légende de Marco Polo? Eh bien, ça vient d'un journal, encore un journaliste qu'elle connaît, c'est le Macaroni Journal. Ça existe, hein? Je l'ai là, la copie. Le Macaroni Journal, c'est le journal des producteurs de pâtes américains. Et donc, le 1er octobre 1929, le Macaroni Journal a sorti un article. Faut le faire, non? Je travaille au Macaroni, grand reporter au Macaroni Journal. J'adorerais ça. Vous avez la carte de visite? Et donc, le Macaroni Journal a sorti un article signé par un scientifique qui a priori n'existe pas et qui raconte que Marco Polo a ramené les pâtes de Chine, et il donne toute une... L'article s'appelle le Saga of Cathay, donc une aventure en Chine, et donc il raconte toute une histoire totalement abracadabrantesque sur Marco Polo, qui a d'ailleurs été repris par Hollywood. Vous avez un film Marco Polo, un film Hollywood, voilà, très d'aventure, qui est très drôle parce que quand ils arrivent près de la Chine, il y a la vigie qui dit « Terre, terre !»
Et Marco Polo arrive, regarde et dit « Merci, mon bon spaghetti voilà. !» Sachant que spaghetti, c'est ficelle. Vous voyez, ça n'a jamais été le nom d'un mec. Voilà. Et donc, dans le film, on raconte que ce fameux spaghetti est donc descendu à terre chercher de l'eau et qu'il a vu des Chinois qui mangeaient des pâtes. Donc, il leur a piqué les pâtes, il les a ramenés sur le bateau. Et c'est pour ça que Marco Polo est revenu avec ses pattes. C'est magnifique. Sauf que pour revenir de Chine, il a mis 7 ans. Vous voyez, et ils étaient partis 300, je crois. Ils sont revenus 7. Et il a fini à pied quand même, à dos de dromadaire, justement. J'imagine le gars, vous voyez, il n'a plus rien. Ses bateaux ont coulé. Ils sont plus que 7. Ils n'en peuvent plus. Ils traversent le désert. Il garde son plat de nouilles en disant « Je le ramène, je le ramène, je le ramène. » Ça paraît quand même totalement, totalement fantaisiste. Il y avait des pattes en Chine, mais à la farine de riz, merci. J'aime bien quand c'est interactif et participatif. Non, de la farine de riz, alors que ce n'est pas du tout nos pâtes à nous, elles ne sont pas faites du tout de la même façon. Et donc, si on a inventé Marco Polo, et si le Macaroni Journal a inventé Marco Polo, c'est parce qu'à l'époque, les pâtes sont associées aux Italiens. Et qu'aux États-Unis, les Italiens, à l'époque, ils font le ménage, ils sont maçons, ils sont dans le bâtiment, ils vident les poubelles. Voilà, ça ne fait pas rêver. Oui, c'est exactement le même cas que le couscous. C'est-à-dire, on a dit, oh, les pieds noirs qui reviennent, le soleil, les dromadaires, les palmiers, tout ça, et tout de suite, ça devient plus sympa. Et on s'est dit, bah, plutôt que de le coller aux Italiens, parce que ce n'est pas bankable, justement, bah, tiens, on va le coller à Marco Polo, parce qu'on est dans une époque où tout ce qui vient d'Asie est super sympa, etc. etc. Et donc, on l'a collé à Marco Polo pour ça. Et il est devenu l'ambassadeur des pâtes. Alors, il y a 7-8 ans, le Macaroni Journal, qui existe toujours, a fait un article pour s'excuser, en disant, c'est pas vrai, on a menti. Voilà, c'est pas du tout Marco Polo, mais voilà, on vous demande pardon. C'est quand même assez marrant, vous voyez, que ce soit détourné comme ça. Quand on parle de Marco Polo comme ça et des pâtes, on fait souvent le lien avec Coca-Cola et le Père Noël. Où tout le monde, j'ai encore entendu sur France Info il n'y a pas longtemps, ça m'a énervé tout seul dans la voiture, un type le matin qui explique que Coca-Cola a inventé le Père Noël. Donc c'est absolument pas vrai. Le Père Noël existait bien avant et faisait des pubs bien avant Coca-Cola. Puisque la première pub du Père Noël, je l'ai retrouvée, c'est exactement, il faut les lunettes, je suis désolé, hein, en plus de 20 ans, c'est exactement 1920, alors que la première pub Coca-Cola, c'est 1931. Et le Père Noël, il est comme ça, jovial, gros, un peu comme moi, et rouge, depuis 1863. Et en 1920, il fait une pub pour des cigarettes. Ça casse un peu le truc, ouais. Les cigarettes Murad, qui n'existent plus. Alors il fait la pub pour les cigarettes, et ce qui est drôle, c'est que fumer, ça vous nettoie la gorge. Avec le Père Noël, ouais, c'est dingue. Et donc, par contre, c'est Coca-Cola qui avait des bouteilles vertes. Et il a transformé ses bouteilles vertes en bouteilles rouges, avec l'étiquette rouge, pour coller au Père Noël. Vous voyez, donc, c'est le Père Noël qui a intéressé Coca. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'on boit du Coca l'été, et que très frais. Et qu'au bout d'un moment, faire toute une usine de production et de distribution pour l'été, c'est pas rentable. Donc ils se sont dit, il faut trouver un truc pour que ces cons-là boivent du Coca en hiver. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire? L'hiver, Père Noël, ah, le Père Noël. Et donc, il est devenu l'ambassadeur de Coca. Et on a toujours ce genre de choses. Donc, Marco Polo, pour lui donner un côté un peu plus exotique, le Père Noël, le couscous, et on va retrouver ça sur des tas de pâtes. On parlait avant que la conférence commence de Marie Harel et de son camembert. Ce sont ses descendants qui ont inventé l'histoire. C'est-à-dire que ses petits-fils faisaient du fromage. Et puis ils se sont dit, il faut qu'on fait tous du fromage. Ils sont en Normandie, les mecs, hein, dans l'Orne. Donc forcément, ils sont autour de Vimoutier et de ce coin-là, dans l'Orne. Ils se disent, bah forcément, il faut qu'on sorte du lot. Et pour sortir du lot, ils disent, c'est notre grand-mère qui a inventé le camembert. Et puis, bah, ils tiennent le truc parce que c'est vachement important. Ce qui, par contre, est inquiétant, c'est que c'est répété partout. C'est-à-dire que personne, absolument personne, n'a jamais vérifié ce genre de truc. On a le cas aussi pour le... J'ai fait une émission il n'y a pas longtemps sur le croque-monsieur. Et donc le croque-monsieur, on raconte une histoire. Alors c'est un type qui a un bar, restaurant à côté de l'Opéra à Paris. Et un jour, il n'a plus de baguettes. Bon, alors c'est souvent ça la légende. Ça commence par on n'a plus. Il y a une erreur, ou alors il nous manque un truc, ou alors il y a une urgence, c'est la guerre. C'est la guerre, alors on a de la farine, et on a créé un truc magnifique. Et donc il n'a plus de baguettes, il prend du pain de mie, il met du fromage, du jambon, il met au four pour que ça croustille comme la baguette. Voilà, c'est sympa, hein. Alors on lui demande pourquoi, alors ce serait dans les années 1920-1930. Et on lui demande comment s'appelle ce délicieux sandwich. Et comme c'est un entrepreneur très avisé, qui essaye de bouffer tous les bistrots du quartier, de devenir le propriétaire de tout, on n'en trouve aucune trace de ce type, hein, parenthèse. Voilà. Et donc comme il veut bouffer tout le monde, il dit, un peu pour plaisanter, il dit c'est de l'homme, c'est du monsieur, ça devient le croque-monsieur.
Voilà. Ça, déjà, on sent quand même que c'est une grosse. Enfin, c'est pas possible, un truc comme ça. Et ben ça, il s'appelle Michel Lunarca. Ce type, j'ai cherché partout. La brasserie Bel Ami, j'ai cherché partout. Et tout le monde répète que c'est sûr, c'est officiel, c'est raconté dans un livre. Et on a les références du livre. Donc, j'ai appelé la Bibliothèque nationale de France. Ce livre n'existe pas. C'est-à-dire que non seulement on invente une légende, qui très vite devient, vous imaginez, le truc de le gars qui dit c'est de l'homme, c'est du monsieur, ça devient un croque-monsieur. Enfin, on dit, mais ça tient pas la route, quoi, ce truc-là. Et en plus, pour dire que tout ça est vrai, eh ben, on invente un livre qui n'a jamais existé et on le cite entre guillemets. Mais si vous allez sur Internet, vous tapez croque-monsieur et histoire, vous allez avoir 200 sites qui vont vous raconter à la virgule près exactement la même histoire, en citant le livre, etc. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un seul qui a vérifié que ce livre existait. Il n'y en a pas un seul qui a vérifié. Voilà. Alors qu'en 1 heure de recherche, j'ai trouvé des mentions du croque-monsieur 30 ans avant dans des journaux parisiens, voyez, avec la recette du croque-monsieur 30 ans avant. On a toujours besoin d'une légende pour vendre un produit. C'est comme ça qu'on est arrivé aux sœurs Tatin qui inventent la tarte Tatin. Mais elles n'ont rien inventé, les sœurs Tatin. Enfin, en tout cas, elles n'ont pas inventé la tarte Tatin. Leurs grands-parents l'ont trouvé des menus. Hein. Leurs grands-parents faisaient déjà ce qu'ils appelaient une tarte solognotte renversée. Sauf que les sœurs Tatin, elles rachètent un restaurant, un hôtel-restaurant, dans un coin qui n'est quand même pas la mode Beuvron. Bon, il y a Jackie Souris, vous voyez, rien que le nom. Vous êtes en bagnole, qu'est-ce qui pourrait vous faire, je m'excuse s'il y a des gens de la mode Beuvron qui nous regardent sur Facebook, mais qu'est-ce qui pourrait faire arrêter quelqu'un à la mode Beuvron? Franchement. À la mode Beuvron? Non, un tracteur qui passe de temps en temps, mais non. Et donc ben, pour qu'ils s'arrêtent dans son resto, on va inventer qu'elles ont une tarte absolument merveilleuse, qu'elles ont un, voilà. Et l'histoire est répétée. Et les gens qui ne savent pas adorent répéter ce genre de truc. Mon boucher ce matin m'expliquait que le cordon bleu, ça vient du fait que les bouchers avaient un cordon bleu pour attacher les escalopes. Alors je lui dis, mais vous avez des cordons bleus? Il me dit, non, non. Enfin, des cordons bleus, oui, mais je n'ai pas de ficelle bleue. Je lui dis, vous attachez quelle viande avec votre ficelle bleue? Il dit, bah aucune. Voilà. Est-ce qu'un jour vous avez attaché une viande avec un cordon bleu? Non. Alors pourquoi le rôti, c'est pas, je sais pas, un cordon blanc dans ce cas-là, puisque c'est bardé, vous voyez? Et donc, il y a toujours des trucs comme ça. Enfin, mon père était tout content quand on mangeait les spaghettis. Il mettait une cuillère à côté de l'assiette. Vous connaissez ça, hein, la cuillère pour les spaghettis? Voilà, ça, c'est français. Oui, quand vous allez en Italie, qu'ils vous entendent parler français, ils vous amènent une cuillère. Putain, c'est touriste, je te jure, c'est n'importe quoi. Et on est tout content et on le répète. C'est le barbecue aussi. Je m'excuse pour les enfants et les oreilles, mais beaucoup racontent que le barbecue, ça vient de la chèvre qu'on embroche de la barbecue. Barbecue. Voilà, c'est aussi totalement n'importe quoi. Ça vient de la Barbade. Et des boucaniers qui boucanaient la viande qu'ils appelaient la barbaque. Donc on n'est absolument pas du tout sur cette histoire de chèvre. Voilà. Mais c'est marrant de vouloir absolument répéter tout ça. Et c'est surtout drôle d'avoir systématiquement, sur tout ce qui se mange, des histoires comme ça totalement fantaisistes. Et donc voilà Marco Polo et Coca-Cola. Et si on revient aux pâtes, alors la question c'est si les pâtes ne sont pas italiennes, elles viennent d'où? Eh bien les pâtes, elles sont mésopotamiennes. C'est-à-dire que les pâtes. On a des traces de culture de blé 3500, 4000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Les gars, ils se sont enquiquinés à planter du blé, à semer du blé. On est quand même entre le Tigre et l'Euphrate, hein, la Mésopotamie, méso entre Potame, le fleuve, donc on est sur cette espèce de triangle fertile. Il y a quand même du boulot en irrigation pour faire pousser du blé dans un désert. Donc s'ils ont fait pousser du blé qui ne se mange pas, c'est qu'ils savaient déjà qu'on pouvait en faire de la farine, en tout cas qu'ils avaient théorisé le truc. Et donc ils ont commencé à travailler la farine. 3000, 4000 ans avant Jésus-Christ. On sait qu'ils faisaient du pain et que leur pain ressemblait au pain cabèze qu'on trouve chez les Libanais. Vous savez, ce pain qui est cuit sur la paroi, qui va très bien avec l'houmous d'ailleurs. Vous ouvrez le pain un peu tiède, puis vous en servez comme une espèce de cuillère grue, comme ça, puis vous remplissez d'houmous. Je vous ai dit que vous risquiez d'avoir faim avant la faim. Mais voilà, le pain cabèze, c'est l'origine du pain donc mésopotamien. Et les Mésopotamiens, on leur doit beaucoup de choses. Figurez-vous qu'ils ont inventé la distillation, hein, l'alcool, alcool, l'œil. Donc la distillation, ça vient de Mésopotamie. Sans eux, on n'aurait pas de bière, pas de vodka, pas de whisky. Le prêtre qui a ramené, le moine qui a ramené la recette du whisky en Irlande, l'a trouvée en Palestine. C'est-à-dire que c'est grâce à eux qu'on a tout ce qui se boit de sympa. Et ils ont commencé à distiller, non pas pour avoir de l'alcool, mais pour avoir du parfum. Alors imaginez le truc, les Mésopotamiens, c'est un peuple de nomades. Et puis ils décident de se sédentariser et ils construisent une ville magnifique. Ils travaillent l'irrigation
Et ils créent des jardins, enfin ils veulent une ville sympa. Sauf qu'on est dans le désert, qui fait très chaud et qui n'a pas beaucoup d'eau. Donc il y a, comme qui dirait, des odeurs corporelles. D'autant plus que leur mobylette, leur vélo et leur voiture, c'est un dromadaire. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté face à face avec un dromadaire, mais le dromadaire, oui, voilà. Et il n'y a pas que la laine. On va dire que le dromadaire a quand même une véritable odeur. J'ai une histoire avec un dromadaire, j'ai une histoire avec un dromadaire qui est rigolote. Si vous, ça se mange, enfin ça se mange si le dromadaire, c'est très bon d'ailleurs. Mais en l'occurrence, c'est pas une histoire, mais c'est en Mauritanie. Un jour, j'ai pris un tout petit avion pour aller à Ouagadougou. On partait du désert, et donc déjà, ils attachent la porte arrière de l'avion, monté par derrière, ils l'attachent avec un tendeur. Déjà, vous vous dites, heureusement que le vol n'est pas long et qu'on va pas voler trop haut. Et puis l'avion commence à rouler sur le sable, il s'arrête, on ouvre la porte et rentre deux Touaregs bleus, chacun avec leur dromadaire. Ils rentrent dans l'avion, ils s'assoient et les dromadaires, qui apparemment ont l'habitude, se mettent à genoux entre les sièges. Donc il y en a un là et un autre là, là. C'est-à-dire qu'à côté de moi, là, j'ai un dromadaire. Et donc j'ai fait tout ce voyage d'une demi-heure, trois quarts d'heure avec le dromadaire qui ne bougeait pas. Et alors ma hantise, parce que l'avion, c'était qu'ils vomissent. Parce que je me disais comment je vais faire en arrivant. Voilà. Donc je lui ai parlé pendant tout le voyage, on était assez sympa. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a une certaine odeur. Et donc oui, surtout enfermé et tout. Puis lui, il avait bossé, il venait du désert, tout ça. Puis il n'avait pas pris de douche depuis un moment quand même. Donc le dromadaire, oui, il sent très sympathique, au demeurant, mais odorant. Et donc en Mésopotamie, ils se disent il va falloir qu'on transforme l'encens, la fumée de l'encens, en un liquide pour se mettre sur le corps. C'est de là que vient le mot parfum, ça fume, parfume. Et donc ils avaient de l'encens, ils savaient s'en servir, mais l'odeur ne reste pas. On peut faire des choses très sympas avec l'encens, je sais pas, au Sultanat d'Oman, si vous allez faire un tour au Sultanat d'Oman, dans les marchés d'encens, c'est le pays qui vend le plus d'encens, dans les marchés d'encens, il y a un truc d'encens, pas l'été d'encens, allez, d'encens, des apostrophes. Et donc dans les marchés d'encens, il y a des trucs très bizarres. Vous voyez un type en djellaba, il est comme ça au milieu de la route, et il fume. Parce que le truc, c'est de prendre un petit morceau d'encens, de le mettre par terre, donc de le faire cramer sur du charbon, et ensuite, une fois qu'il est allumé, vous vous mettez au-dessus avec la djellaba, voilà, et vous laissez, oui, et surtout ça aère. Quand il fait chaud, les hommes comprennent ce que je veux dire. Ça veut dire très, ça peut être très sympa au niveau transpiration, etc., d'avoir une bouffée d'air un peu comme ça. Et alors, c'est quand on n'est pas habitué et qu'on voit les mecs qui fument comme ça par. Et essayez chez vous, c'est très sympa. Moi, je le fais de temps en temps. Je ferme la fenêtre, hein, mais c'est extrêmement agréable. Ça rafraîchit terriblement et ça fait du bien. Ça fait du bien encore. Hein? Si elles avaient, c'était plus discret. Mais oui, de l'encens. Au Sultanat d'Oman, quand vous vous baladez, il y a de l'encens dans toutes les maisons sentent l'encens, et donc c'est tout le temps, donc oui, j'imagine. Mais en tout cas, il fallait faire du parfum, et donc ils ont créé la distillation, l'alambic, hein, c'est un mot arabe aussi, hein, le bec. Il y a plus d'une cinquantaine de mots arabes au quotidien, hein, le divan, l'amiral, enfin il y a énormément de mots arabes dans la langue française, l'abricot, enfin plein de choses. Et donc ils ont distillé l'encens pour en faire un liquide, pour en faire du parfum. Et j'imagine qu'il y a un gars dans la bande qui a mis le doigt, qui a dit « Waouh !» Et ils ont commencé à distiller tout ce qui leur tombait sous la main. Et ils ont distillé toutes les graines possibles, d'où le whisky, d'où la vodka, et d'où la bière, puisque la bière, c'est ce qu'il faut faire avant de distiller. C'est le début du whisky, en fait. Vous faites d'abord de la bière, et ensuite, avec le malt, vous le distillez et vous faites du whisky. On leur doit beaucoup. On leur doit aussi l'élevage des porcs. C'est eux qui ont transformé les porcs sauvages en porcs domestiques. Et eux, ils s'en servaient comme... On va dire comme poubelle, c'est-à-dire ils vidaient les déchets, les porcs, hein, ils mangent la manche de tout, ces trucs-là, et ils le mangeaient un peu apparemment. Les seuls animaux qu'on n'avait pas le droit de manger à l'époque en Mésopotamie, c'est le cheval et le chien. Et donc ils mangeaient du porc et ils se servaient de la graisse de porc pour cuisiner. Ils en faisaient une espèce de saindoux et ils faisaient également des bougies à base d'huile de porc. Alors entre les dromadaires et l'huile de porc, ça devait sentir bon. Je comprends pourquoi ils avaient des jardins, les mecs, quand même, parce que ça devait être assez terrible. Et donc, ils ont commencé à distiller comme ça. Et ils ont également, à côté de ça, inventé plein de choses, dont les pâtes. Après les Mésopotamiens, donc toujours des guerres locales, etc., après les Mésopotamiens arrivent les Omeyades. Et les Omeyades, ils règnent sur toute la région. Ils vont régner pendant quelques siècles. Ils vont, à un moment donné, devoir quitter, après avoir été quand même largement massacrés. Donc, les survivants vont devoir quitter la région. Et ils vont être remplacés par les Abbassides. Et les Omeyades, ils vont partir à Cordoue. Et ils vont installer le califat qui va devenir arabo-andalou en Espagne. Et ils vont amener avec eux un certain nombre de choses, dont les pâtes. Et comme ce sont des commerçants,
ils vont installer un peu partout autour de la Méditerranée des comptoirs. Donc il y a les Phéniciens qui font déjà ça, il y a les Carthaginois qui font ça. Et donc il va y avoir tout un réseau commercial en Méditerranée. Et ils vont vite se rendre compte que c'est compliqué de faire des longues traversées, même si ce n'est que la Méditerranée. C'est compliqué d'aller très très loin. Il faudrait des bases arrières, on dirait des back-office aujourd'hui. Et donc ils se disent, il y a quand même une île qui est pas mal, c'est la Sicile. Elle est à peu près au milieu de tout ça. Et donc ils ont colonisé la Sicile, ils en ont fait une plateforme logistique. C'est-à-dire qu'en Sicile, ils font de l'huile d'olive, ils font tout ce qu'ils peuvent vendre, des pâtes, etc., etc., etc. Et donc, de la Sicile, c'est facile d'aller en Italie, c'est facile d'aller à Carthage, c'est facile de monter en Espagne, de monter en France, etc. Et donc, les pâtes, elles viennent de Mésopotamie, elles s'installent là, et puis ensuite, elles sont diffusées dans toute l'Europe. Elles rencontreront un jour la tomate, parce qu'elle importe maintenant pâte, tomate, ça va bien ensemble. Et elles l'ont rencontré en France, figurez-vous, mais bien plus tard. On est en 1807, 1808. Jusqu'en 1807, à peu près 1810, on ne mangeait pas de tomates. C'était des plantes d'ornement et c'était du poison. Vous pouvez tuer votre belle-mère avec de la tomate. Oui, je ne peux pas vous dire comment, mais oui. Maintenant, les tomates, elles ont été refaites, elles sont hybrides, donc elles ont perdu un peu leur faculté destructrice, on va dire. Mais avec les tomates, jadis, on pouvait faire du poison. Vous avez un très bon roman policier comme ça qui s'appelle « Meurtre à la pomme d'or »,« Meurtre à la pomodoro » de Michel Barrière, qui raconte donc un pharmacien qui mène l'enquête et il se rend compte que tous les empoisonnements viennent de tomates. Et donc le premier qui a l'idée de mettre de la tomate et des pâtes, il fait en fait un potage tomate vermicelle et il s'appelle Grimaud de la Reynière. Et Grimaud de la Reynière, il devrait être très connu, mais il est en tout cas, on va dire, oui, il est connu dans le milieu, on va dire, c'est lui qui a inventé le concept du guide de Michelin. C'est-à-dire que Grimaud de la Reynière a fait l'almanach des gourmands, il allait tester des restaurants, il testait des produits, il organisait des grands repas pour goûter des plats de toutes les régions de France, et puis après, il faisait des articles, et il avait toute une bande de chroniqueurs gastronomiques qui allaient tester des produits, des restos, et qui écrivaient dans l'almanach gourmand. Et parmi eux, il y avait le premier ministre de Napoléon, Cambacérès, qui sortait le soir déguisé pour aller tester des restos, un peu discrètement, si vous voulez. Je ne sais pas si vous imaginez Castex, très chapeau pour aller goûter des andouillettes. Moi, j'ai un peu de mal, mais imaginons. Et donc, Cambacérès écrivait régulièrement dans l'almanach des gourmands pour faire des petites chroniques comme ça. Et puis, tant qu'on est dans les pâtes, on doit aux pâtes sûrement le poisson d'avril télévisuel le plus drôle qui n'ait jamais existé. Je vous l'ai mis sur Facebook, donc sur ma page Facebook que vous trouverez facilement, je vous ai mis la vidéo. C'est un reportage de, je ne vais pas vous dire de bêtises sur la date, 1954 me semble-t-il, 57. 1957, c'est la BBC qui fait un reportage sur la culture des spaghettis sauvages dans le Tessin. Sauf qu'à l'époque, la télé, on rigole pas, hein, c'est pas des marrants. Et le reportage va passer dans l'émission Panorama, qui a priori correspond à l'émission d'actualité la plus importante sur la BBC. Il ne traite que des sujets vraiment importants de fond. Et il y a un journaliste qui dit, il s'appelle Richard Dimbleby, je suis nul en anglais, hein, mais Dimbleby, enfin bref. Et donc il dit, moi j'ai une idée pour le 1er avril, on va faire un reportage sur la culture du spaghetti sauvage dans le Tessin. Et Banco, donc il part dans le Tessin, hein, province suisse italienne, italophone, et il fait un reportage, mais très sérieux, cravate, costume, et s'est présenté sur le plateau par, je vais pas dire Patrick Poivre d'Arvor, parce que ça va pas, c'est pas possible en ce moment, mais par le journaliste, voilà, super connu, le Pernaut, tiens, de l'époque, non, journaliste, enfin bref, donc le journaliste de l'époque qui imaginait, voilà, qui présente le truc et qui dit, voilà, sujet formidable. Et donc pendant 7-8 minutes de sujet, vous irez voir la vidéo, c'est à mourir de rire, vous avez des jeunes filles avec des paniers qui ramassent des spaghettis dans les arbres et qui les couchent dans le panier. Et ils racontent d'ailleurs que pour faire leur reportage, c'était très compliqué parce qu'évidemment, les spaghettis pas cuits, ça tient pas dans les arbres. Donc il fallait les cuire, mais trop cuits, ça collait. Donc il leur a fallu des heures pour trouver la bonne cuisson pour que le spaghetti reste, voilà. Et donc elle cueille des spaghettis comme ça et puis on lui a demandé. Et là, alors cette année, la récolte, ah oui, cette année, on a une très très bonne récolte de spaghettis sauvages. Et ça se termine à table, il y a un couple qui goûte des spaghettis et qui dit, ah oui, c'est incomparable, c'est bien meilleur que ce qu'on trouve en boîte, etc., etc. Ça aurait pu en rester là, sauf que ben, les gens n'ont pas du tout compris que c'était une blague en Angleterre parce qu'ils n'étaient pas habitués à voir ça à la télé. Et donc le standard de la BBC a, paraît-il, explosé. La BBC a reçu des tas de lettres qui leur demandaient où trouver les plans
de spaghettis. Et alors, comme il ne savait pas trop quoi répondre et qu'il ne voulait pas non plus se moquer des gens, parce que ce n'était pas sérieux, se moquer des gens qui regardaient l'émission, ils ont renvoyé une petite carte en disant « Planter un spaghetti dans une boîte de sauce tomate et espérer ». Voilà, c'est assez rigolo. Mais regardez cette vidéo en ligne sur mon Facebook, vous allez voir, c'est vraiment extrêmement drôle. Et c'est sûrement le poisson d'avril le plus marrant qu'on puisse trouver. On a parlé des pâtes. Il y a un truc qui est rigolo aussi, c'est le melon. Dans la série des légendes, toujours. On raconte qu'il y a un roi et un pape qui sont morts d'avoir mangé trop de melon. Moi, j'ai écrit un petit bouquin sur le melon de Cavaillon. Ceci est un melon de Cavaillon. Je l'ai tellement répété. Et donc, j'ai voulu vérifier. Et la vérification de l'histoire est aussi drôle que l'histoire, en fait. Vous allez voir. Donc, on cite plusieurs noms. Et entre autres, Frédéric III. Donc, on est en 1415-1493. Ou alors Maximilien Ier du Saint-Empire. Voilà, qui serait mort d'avoir mangé trop de melon. Donc, j'ai cherché. C'est plutôt pour les papes que c'est rigolo, vous allez voir. Et Maximilien Ier est effectivement décédé d'une indigestion de melon. Et donc, on raconte ça très bien. Il a un médecin avec lui. Ils sont à la bataille, en guerre. Et donc, ils vont se battre, quoi. Et ils ont dû appeler les troupes et se barrer en vitesse parce que le roi se vidait. Voilà, il avait une espèce de... Vous avez compris, oui, d'accord. Et donc, il se vidait et le médecin dit c'est probablement parce qu'il a mangé trop de melon. Donc ça, c'est sûrement vrai. On peut tuer quelqu'un avec des tomates et avec du melon. Mais le plus rigolo, c'est les papes. Et là aussi, à Cavaillon, il cite deux papes. Il cite Clément V, Clément VII et Urbain V. Donc j'ai vérifié. Ça m'a pris du temps. J'ai vérifié. On ne sait pas, ils sont morts, ça c'est sûr, hein, pour le coup, puisqu'on est 1300, 1400, ça ils sont morts, mais on ne sait pas pourquoi. J'ai donc écrit au Vatican. Service de presse du Vatican, je leur écris en français, on me dit, il y a peut-être un français dans la bande, et je lui demande si c'est vrai, etc. Et il me répond qu'en français c'est compliqué, il me répond en anglais qu'en français c'est compliqué, il me demande de refaire mon email en anglais. J'essaye en anglais, mais je suis assez mauvais en anglais, j'ai une réponse un peu polie, je relance, et là j'ai la réponse d'un type en italien qui me dit qu'il n'écrit pas l'anglais, qu'il ne parle pas français, mais qui veut bien me répondre. Alors, qu'est-ce que je parle d'autre? Et donc, je lui ai répondu en rigolant, on peut essayer en latin. Il m'a dit oui. Et donc, nous avons échangé des emails en latin. J'ai ressorti mon dictionnaire de latin. Je ne suis pas sûr que ma prof m'aurait mis une bonne note. Mais en tout cas, nous nous sommes compris. Et donc, je lui ai posé la question. Est-ce qu'un de ces trois papes est mort d'avoir mangé trop de melon? Et il m'a répondu un truc très sympa. D'après nous, non. Dans nos archives, on ne sait pas de quoi ils sont morts. Mais si on le savait, je ne vous le dirais pas, ce serait péché de gourmandise. C'est mignon, hein? 6 mois pour avoir ça, t'es content, quoi, tu vois? Et donc, on peut effectivement mourir de manger trop de melon, ce qui est quand même, c'est quand même un peu dingue. Et juste à côté du melon, on a une autre histoire qui est sympa, c'est le calisson d'Aix. Vous connaissez le calisson? C'est une petite pâtisserie, justement, avec du melon. Et alors là, il y a une super histoire aussi pour la création, l'invention du calisson. On est là, pour le coup, en 1454. Et donc, on vous explique ça sur place. Vous avez des tas de papiers, des tas de bouquins qui vous racontent l'histoire. On vous explique que ça a été inventé pour le mariage de Jeanne de Laval et de, je ne trouve plus le nom de son... le roi René d'Anjou. Alors, ça doit être le cousin de l'autre. Le roi René d'Anjou et Jeanne de Laval. Et alors, on vous explique qu'en fait, le problème de ce mariage, c'est que Jeanne de Laval était abominablement laide. Mais qu'elle était mochissime, si vous voulez. Pour qu'ils le disent dans les livres à l'époque en parlant de la reine, ça devait quand même être quelque chose. Et en plus, elle faisait absolument toujours la gueule. C'est-à-dire que personne ne l'avait jamais vue sourire. Elle faisait la tronche en permanence. Même le jour de son mariage, elle faisait la tronche. Bon. Et puis, il y a un pâtissier qui aurait fait des calissons pour la première fois de sa vie et qui lui a amené en disant « Majesté, c'est une nouvelle pâtisserie, une nouvelle friandise que je viens de créer. » Et elle a avalé un calisson. Et en mordant dedans, son visage s'est éclairé et elle a souri. C'est beau comme histoire. Et deux nobles à côté, qui étaient là invités au mariage, il y en a un qui a dit à l'autre « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et l'autre lui a répondu « Ce sont des câlins. Calissoun. » Voilà. C'est sympa comme histoire. Hein, voilà. Ils sont mariés à Angers, en fait.
Ils sont mariés à Angers, ils n'ont sûrement jamais mis les pieds dans le sud de la France, ils n'ont jamais approché un melon de leur vie. Tout ça n'est pas vrai. Mais l'histoire est sympa et on vous la raconte sur place. Quand vous visitez le musée du melon, le mec fait 20 minutes dessus. C'est magique. J'adore ce genre de truc. Et là, vous avez aussi les vignerons de Saint-Pourçain qui vous racontent qu'ils livraient du vin déjà à Louis XIII à Versailles. Ce qui est fort, puisque Versailles, c'est Louis XIV. Le mec va arriver en avance pour que le Saint-Pourçain vieillisse tranquillement. Dans les... voilà. Et donc, il vous explique ça aussi très, très, très sérieusement. C'est relativement marrant d'avoir systématiquement ce genre de plaisanterie. Et puis, je vous disais aussi que c'est souvent dû... La légende s'appuie souvent sur une urgence, une guerre, un siège. Et alors, on a ça. Et alors, c'est drôle parce que pour plusieurs produits, on a la même histoire. C'est pour tout ce qu'on va faire à base de farine de pois chiche. C'est-à-dire, en gros, ça aussi, c'est assez courant, on fait quelque chose, on fait la même chose dans la ville à côté, mais ils vous expliquent que c'est évidemment pas la même chose et ils changent le nom. Et donc, selon l'endroit où on se trouve, on va avoir la farinata, qui est une galette de pois chiche assez sympathique. On va avoir aussi la soca à Nice. C'est relativement la même, mais eux vous disent pas du tout, c'est très très différent. On va avoir la cecina en Toscane, qui est exactement la même. On va en avoir plein comme ça. Et donc, la légende, toujours elle, assure que la farinata est née par hasard en 1284, quand la flotte de Gênes a battu celle de Pise. Ils n'arrêtaient pas de se battre entre eux. D'ailleurs, on parlait de Marco Polo tout à l'heure, mais Marco Polo, il est donc parti en Chine, il est revenu, et le jour où il revient, Venise déclare la guerre à Gênes. Bon, et donc il est là, personne ne s'intéresse à lui apparemment, mais alors absolument personne ne s'intéresse à lui alors qu'il est quand même parti 25 ans en Chine. Personne n'écoute, alors il se dit, ben tiens, moi aussi je vais aller faire la guerre. Donc il arme un bateau avec un petit canon, et il part faire la guerre avec ses copains vénitiens, et à la première bataille, il coule son bateau, mais qui n'était pas doué quand même, pour la vérité. Vous savez qu'en Chine, il n'a pas vu la muraille, il n'a pas vu les baguettes, il n'a absolument rien vu en Chine. Il y a de plus en plus d'historiens qui disent, mais vous êtes sûr qu'il est allé en Chine? Parce que le gars n'a rien vu du tout, même pas la muraille, vous imaginez le truc. Il était dans une province en guerre, il raconte qu'il se promène dans les jardins. Alors que c'était la guerre, il n'a pas vu la guerre non plus. Enfin, ce type n'a rien vu. C'est assez surprenant. Enfin bref, comme il n'a pas non plus écrit son livre lui-même, du coup on peut imaginer que c'était un peu inventé. Mais qu'a-t-il vu en vrai? Ce serait formidable à savoir. Donc bref, il part avec son bateau, il coule son bateau, il est arrêté et il se retrouve en prison sur la côte d'Almate. Vous savez où il y a les chiens avec les taches. Et donc il se retrouve en prison. Il va y rester un moment. Et il partage sa cellule avec Rusticello de Pise. Et Rusticello de Pise est un écrivain un peu aventurier qui a écrit plusieurs épisodes de la légende arthurienne. Donc plusieurs des histoires d'Arthur avec Perceval, Caradoc, tout le machin. Et ils vont partager la cellule pendant plusieurs mois. Marco Polo ne sait pas écrire. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Mais Rusticello de Pise, il peut, il sait. Et donc Marco Polo aurait dicté... raconter son histoire à Rusticello de Pise, qui en aurait fait le livre de Marco Polo qu'on appelle le Livre des Merveilles, le devisement des Merveilles, ou le Livre des Merveilles. Et on peut imaginer que Rusticello de Pise, après Arthur, après les Chevaliers de la Table Ronde, après tout ça, il en a un peu rajouté les caisses, voire il a quasiment tout inventé, puisqu'on n'a aucune trace du passage de Marco Polo. Hein. C'est-à-dire que tout le monde raconte qu'il est allé, qu'il a vu tout ça. Le problème, c'est qu'on ne trouve aucune trace, ni en Chine, ni en Europe, on n'a absolument aucune trace. C'est peut-être la prochaine supercherie qu'on va trouver. Marco Polo n'a jamais quitté Venise. C'est une possibilité, c'est une réelle possibilité. Et donc, on était sur la farinata. Et donc, la légende assure que donc, la flotte de Gênes bat celle de Pise et que les marins de Pise, ben, ils sont enfermés dans les galères génoises comme rameurs et ils n'ont absolument rien à manger. Mais des barils d'huile d'olive se renversent et, juste à côté, grâce à la tempête, des sacs de farine de pois chiche se trouent et se mélangent. Voilà. Tout est trempé à l'eau de mer, mais les prisonniers qui sont affamés, ils mangent toute cette bouillie infâme avant de dire « mais non, faisons-la sécher au soleil ». C'est beau, hein ? Voilà. Alors le rigolo, le truc rigolo, c'est que la calientica, qui a exactement la même forme, qui vient plutôt d'origine espagnole, mais qui a acquis ses lettres de noblesse en Algérie, dans les rues d'Oran où on mange des calientica comme ça tienne, et ben c'est la même histoire.
c'est-à-dire en 1708, dans les cuisines du fort espagnol d'Oran, au cours du siège mené par le bey turc Mustafa Ben Youssef, il ne restait plus qu'à écouler le stock de pois chiches pour nourrir les assiégés, et alors on l'a mélangé, et paf, il a créé la Kalientica. Donc on a toujours ces histoires un peu bizarres qui naissent d'urgence. On a ça pour les bêtises de Cambrai, vous voyez, quelqu'un serait trompé. Bon. Le Pinot des Charentes, c'est un type qui a mélangé et puis qui a attendu. Et puis après, il dit, oh tiens, du Pinot, parce qu'il a mis du cognac dans du vin, il ne l'a pas fait exprès. Et au bout d'un an, il regarde, il dit, oh, c'est vachement bon. Et il s'appelait Pinot, le gars. Voilà. Et donc, la vérité, c'est que la plupart du temps, on ne sait pas qui a inventé, on ne sait pas d'où ça vient. Parce que ça n'intéressait personne encore aujourd'hui. Si vous avez eu l'idée, le premier qui a fait un, je sais pas, parmentier de canard, on ne sait pas qui c'est. Le premier qui a dit, au lieu de mettre du beurre, je vais mettre du canard. Oui, c'est toi, Thomas. Mais bon, bah, il est là. Mais on ne sait absolument pas qui c'est qui a inventé ça. On n'a aucune idée. C'est pour ça que il faut faire très attention à ceux qui vous disent, ouais, mais ce n'est pas la vraie recette. Ça n'existe pas, la vraie recette. C'est-à-dire, il n'y a pas de. On entend souvent, oui, il ne faut pas mettre du jambon. Si j'aime le jambon. Oui. Il y a un journaliste italo-belge à Bruxelles qui est très connu en Belgique sur la gastronomie. Si vous lui parlez des pâtes, il peut s'énerver dès que vous mettez un truc dans la recette qui, à son avis, n'a pas y être. Quoi. C'est un truc, les carbonara, si vous mettez du jambon dedans, il pourrait vous... Enfin, il devient fou, il hurle en disant, c'est pas des carbonara. Oui, mais si moi, j'ai envie de les faire avec du saumon. Là, pour le coup, vous le perdez, hein, vous ne le voyez plus jamais, il est en PLS, le mec. Hein, mais voilà. Il n'y a pas de vraie recette. Il y a peut-être une recette traditionnelle et qu'on ne connaît même pas parce que les carbonara, c'est aussi l'histoire des militants italiens, les carbonieri, qui se rassemblaient entre eux pour préparer des coups d'État, qui ont d'ailleurs réussi un coup d'État. Et ils se rassemblaient dans des cabanes. Alors déjà, c'est louche dans une histoire quand il y a deux explications. La première explication, c'est qu'ils se rassemblaient dans la forêt dans des baraques de charbonniers, ceux qui faisaient du charbon de bois. Et que c'est pour ça qu'on les a appelés carbonara. Bon, admettons. Ensuite, on a dit non, carbonara, c'est parce qu'une fois que c'est fini, il faut mettre beaucoup de poivre dessus. Et le poivre, ça fait charbon. Donc ce serait l'origine de carbonara. Et puis surtout, l'histoire, c'est qu'ils sont dans leur cabane. Ils sont en train de préparer le coup d'État. Ils n'ont rien à manger. Et donc, il y en a un qui va taper à la porte des trois fermes à côté et qui récupère des trucs qui traînent. Et on ne sait pas ce qu'il a récupéré, puisqu'il n'y a aucune trace écrite de ça. Mais il aurait récupéré donc, de la gorge de porc. Et non pas du jambon, hein, ne m'énervez pas l'autre, ni des lardons. Donc il aurait récupéré de la gorge de porc, il aurait récupéré quelques trucs comme ça. Ils reviennent et paf, ils inventent les carbonara. Mais bien sûr. Oui. Et pourquoi pas? On n'a jamais de traces de ça. Et c'est le problème quand on fait des recherches en histoire de la cuisine ou de la gastronomie, c'est que ça n'a intéressé personne, ce truc-là. C'est-à-dire personne n'écrivait là-dessus. Ils n'avaient pas du tout l'idée qu'un jour ça intéresserait quelqu'un. Et surtout... Ceux qui cuisinaient, souvent, ne savaient pas écrire. C'est l'expression latin de cuisine. Vous savez, les cuisiniers, ils écrivaient un latin qui était assez bizarre. C'est aussi pour ça que les recettes de l'époque sont très imprécises. Parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire pour dire 10 centilitres, 15 minutes, voilà. Donc, il dit, tu mets de la viande, tu mets du truc, tu mets du machin, tu piles, tu mets au four. Ouais, bien sûr. Voilà. Et on est très embêtés. On a très peu de traces de tous ces plats. Parce que ça n'a pas intéressé grand monde, c'est arrivé après, c'est-à-dire les gens en ont parlé après, quand on les mangeait. Par exemple, on ne sait absolument pas quand Christophe Colomb a rapporté le cacao. On sait qu'il l'a rapporté, on ne sait pas quel voyage, on ne sait même pas sûr que c'est lui. Et il y a une légende qui assure que les premières graines de cacao que Colomb a ramenées, il a cru que c'était des crottes de chèvre, et il a tout fait mettre à l'eau. Mais on ne sait absolument pas, c'est tout à fait possible, mais on ne sait absolument pas si c'est vrai. Et donc vous pensez bien que la pomme de terre à laquelle on va arriver bientôt, quand on a ramené la pomme de terre d'Amérique, ça n'intéressait absolument personne et donc personne n'a écrit. Et la plupart de ces plats, la plupart de ces aliments, la plupart de ces recettes, on ne trouve absolument jamais de recette où que ce soit. Et donc la cuisine, c'est au contraire une perpétuelle, réinvention des plats. C'est-à-dire en fonction de ce qu'on a, on cuisine ce qu'on peut. Et quand on regarde un peu pourquoi les plats se sont implantés à tel ou tel endroit, il y a toujours une logique. Par exemple, si vous avez beaucoup de charcuterie à la montagne, c'est parce qu'il y a un problème à la montagne, c'est le fromage. On fait du fromage avec les vaches. Et le fromage, il donne forcément du petit lait. Et le petit lait, si vous le mettez sur la pelouse, ça crame la pelouse. C'est corrosif, le petit lait. Et quand ils sont à la montagne, ils ne savent pas quoi faire du petit lait. Pas question de le mettre dans des cuves à redescendre, ce serait beaucoup trop compliqué.
il y a une seule bestiole qui adore le petit lait, c'est le cochon. Donc systématiquement, quand on monte avec des vaches, on emmène des cochons, on les nourrit au petit lait, ils grossissent. Quand il faut redescendre, voilà, on cuique le cochon et on fait des saucissons. Et puis c'est très facile de tuer le cochon là-haut et de le faire fumer. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de charcuterie fumée, parce qu'on a le temps, il y a des arbres. Le gars qui s'occupe des vaches ou des chèvres, des brebis, etc., a du temps. Et donc, il a le temps de faire fumer un certain nombre de choses. La conservation aussi, oui, oui. En fait, quasiment au début, tout ce qui a été cuit, c'était dans l'idée de le transporter et de le conserver. C'était le gros problème. C'est d'ailleurs l'importance du sel. Hein, aussi, si vous travaillez ou si vous avez travaillé, vous avez perçu un salaire. Le salaire, jadis, était payé, c'était la solde des soldats romains, hein, soldats d'ailleurs, les soldats étaient ceux qui étaient payés qu'une solde, la solde c'était du sel, une partie de sel. Et donc on payait les gens en sel pour qu'ils puissent consommer des aliments et qu'ils puissent surtout conserver des aliments. Et donc très vite, pour conserver et transporter des aliments, il y a eu plusieurs solutions, la cuisson, la salaison, ça a vraiment été des idées. Et donc la salaison, ça a donné les saucissons, on retrouve sel dans saucissons, tout ce qui est saucisson, saucisse, etc. Donc c'était conservé avec le sel et mis dans un boyau pour être transporté. Et à côté, on a toutes les andouilles, andouillettes, etc. où elles étaient cuites dans du bouillon pour être transportées toujours dans leur... Mais l'idée de ce truc avec un boyau, c'était vraiment les transporter et pouvoir partir avec ses provisions quand on faisait un voyage qui était forcément plus long qu'aujourd'hui. Et donc absolument tous, comme ça, tout ce qui est né... comme plat vient du hasard de la région. Et donc on parle souvent de... Là je viens d'écrire un bouquin sur la choucroute qui va sortir en septembre, et il y a aussi une légende sur la choucroute qui est rigolote, ce serait Attila, les Huns, vous savez, Attila donc serait allé attaquer la muraille de Chine, donc jamais, hein. Attila n'est jamais de sa vie allé en Chine, mais bref, il attaque la muraille de Chine, il ne peut pas rentrer en Chine, et donc il repart, il rebrouche chemin, c'est pour ça qu'il vient chez nous. Et en rebroussant chemin, il attaque quand même quelques Chinois. Et les Chinois mangent beaucoup de choux dans cette région-là. Et ils ont du sel. Et donc, ils récupèrent le chou salé des Chinois. Ça lui permet de nourrir ses Huns jusqu'en France. En France, il se fait battre à la bataille des champs cataloniques, à côté de Troyes. Et donc, il attaque les légions romaines à Troyes. Il perd et il s'en va. Et donc, la légende dit qu'en partant, dans la précipitation, il abandonne ses tonneaux de choucroute. Admettons, déjà, vous imaginez Attila qui arrive à cheval de Chine avec des tonneaux de choucroute. Bon, admettons, ça veut dire aussi qu'il en a amené un paquet, parce que le temps qu'il fasse le voyage, il n'a pas eu le temps de refaire de la choucroute. Donc, il est quand même parti avec des tonnes de choucroute, le gars, et il les abandonne sur place. Et puis alors, pendant des siècles et des siècles, on ne parle plus de choucroute. Ça disparaît complètement, jusqu'à ce qu'un jour, on retrouve du chou fermenté en Alsace. Et on dit, oui, c'est Attila. Ouais, mais celui qu'il a laissé il y a un moment, ça ne peut pas être celui-là, en fait. Et il est plus que fermenté, là, si vous voulez, il est parti, il est ailleurs, il est parti tout seul, le chou. Et quand on creuse un peu, l'histoire d'Attila, elle ne tient pas bien la route. Par contre, ce qu'il faut pour le démontrer, c'est resuivre toute l'histoire d'Attila, voir où il est allé, où, les dates, essayer de regarder un peu toutes ces dates. Il y a des tas d'histoires sur Attila en France qui sont extrêmement drôles. Enfin, extrêmement drôles. Il décapite des gens alors qu'il n'est plus en France. Il y a des tas de trucs, des gens qui... Il a décapité un gars qui protégeait la ville de... Je sais qu'il est allé casser Verdun deux fois, c'est la ville qui n'a pas de chance quand même. Même Attila, ils y sont allés. Et donc, il est allé à Chalon, je crois. Et à Chalon, donc, il récupère le général de Chalon et il l'emmène, il le fait souffrir pendant 6 mois, il le décapite. 6 mois après, il n'était plus là, il est en Hongrie. Voilà. Mais dans la légende, alors le type qui était décapité a ramassé sa tête. Bon, il a marché, d'accord. Il a posé la tête par terre et une source a jailli qui existe toujours. Vous pouvez aller voir. Bon, je ne vois pas l'intérêt, mais... Voilà, et Attila est en fait parti depuis 6 mois. Néanmoins, vous avez un chemin, vous avez un musée, vous avez des panneaux, et les gens vont visiter ça avec grand plaisir. Et donc, l'idée de la choucroute, en fait, c'est beaucoup plus simple. La choucroute est d'origine celte, c'est-à-dire qu'elle vient d'Autriche, tout simplement, parce qu'en Autriche, ils avaient du chou, bien sûr, mais ils avaient surtout beaucoup de sel. Et les Celtes travaillaient le sel énormément. Et puis, ils circulaient, beaucoup les Celtes, et ils circulaient par les fleuves, dont le Rhin. Et donc, c'est probablement en passant sur le Rhin qu'ils ont fait des échanges. Et les plus vieilles traces de choucroute qu'on a en France, c'est choucroute au poisson. Comme le couscous, il ne peut pas être royal tout le temps parce que c'est beaucoup trop cher. Les paysans alsaciens chopaient des poissons dans le Rhin et dans toutes les rivières d'Alsace et le mangeaient avec le chou qui se conserve. C'est ça, en fait, l'idée. C'est toujours le hasard de ce qu'on a sur place. Et ensuite, ils en ont fait la choucroute garnie qu'on peut connaître. Et c'est drôle, les sels, parce qu'on en parle très peu.
Mais Astérix n'était pas gaulois, en fait, hein. Astérix était celte. Les Gaulois, c'était les Belges. C'est-à-dire les vrais Gaulois, c'est la Belgique, le Luxembourg, la Moselle. Et le reste, c'est les Celtes. Et ici, je vous rappelle que c'est les Visigoths quand même, hein. C'est-à-dire nos origines sont allemandes. Les Visigoths qui sont barrés à cause des Huns, d'ailleurs, sont descendus jusque Toulouse. Le comte de Toulouse descendait des Visigoths. Et donc tout le sud-ouest de la France, on descend d'un peuple germain et non pas du tout d'un peuple gaulois. Et c'est les Romains qui ont appelé les Celtes les Gaulois, parce que Galie, ça vient de sel, justement. Oui. Al, c'est sel. Une plante qui aime le sel, c'est une plante halophile, c'est ça? Aidez-moi, je sais pas. Enfin, le sel. Et donc les Romains ont appelé les Celtes les Gaulois parce que c'était le peuple du sel. Vercingétorix, ce n'était pas gaulois. Il était celte. Et c'est marrant comme l'histoire nous a fait des raccourcis comme ça. On a viré les Celtes, on l'imagine juste les Irlandais en vert qui dansent, voilà. Et on part, ou les Bretons, et on part forcément sur des Gaulois qui auraient été le peuple qui était là avant. C'est une sorte de falsification de l'histoire. Et c'est aussi ça qui est intéressant quand on travaille sur l'histoire des aliments, c'est que forcément on a l'histoire des peuples et l'histoire des mouvements de population. Par exemple, les boulettes, on a une vieille recette de boulettes, pour le coup elle est vieille, 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est le plus vieux livre de recettes qu'on a, qui existe. Vous le trouvez chez Seuil, ça s'appelle La plus vieille cuisine du monde. Je vais retrouver le nom de l'auteur. C'est un auteur assez connu qui, toute sa vie, a traduit des textes plutôt casse-pieds, dont le fameux code Hammurabi, qui est le plus vieux code juridique écrit sur la planète. Et donc, il a traduit le code Hammurabi avec beaucoup de détails, c'est la traduction la plus fiable. Et sur la fin de sa vie, il a dû dire oh, et puis merde. Et il a traduit toutes les recettes de cuisine qu'on avait pu trouver en Mésopotamie. Et il a donc sorti la plus vieille cuisine du monde, où on a vraiment des recettes qui ont donc 4000 ans maintenant. C'est assez drôle. Et il y a entre autres une recette, un arrache, une espèce de ragoût de boulette. Et on suit cet arrache jusqu'en Espagne. On retrouve la même recette en Espagne quand elle est arabo-andalouse. Et puis on la retrouve au Maroc et on la retrouve en Algérie. Ma belle-mère qui vient de Tlemcen fait des boulettes comme ça. C'est exactement la recette d'il y a 4000 ans. Et donc en suivant les recettes, on suit les populations. Et on suit les mouvements de population. Donc les gens qui sont partis d'une région pour aller dans une autre, etc., qui ont recréé des colonies. Par exemple, quand on cherche des boulettes en Europe, on arrive souvent dans des villes où il y avait énormément de juifs, une population juive très importante. Parce qu'au Moyen-Âge, et un peu après le Moyen-Âge, les juifs n'avaient pas accès à la viande. On ne leur laissait pas manger de la viande. Ils n'avaient accès qu'à ce qu'on appelle le cinquième quart. C'est-à-dire tous les abats dont personne ne voulait. Il fallait rendre ça un peu fun. Et donc la cuisine juive a énormément travaillé, les boulettes, les abats, les trucs un peu comme ça, travaillé. Quand vous allez en Israël, vous avez plein de petites choses comme ça, on mange beaucoup d'abats, c'est resté dans leur recette. Et quand on a des boulettes importantes dans des villes allemandes, et ben en cherchant un peu, on a forcément, jadis en tout cas, eu une population juive très importante. Et on suit vraiment les mouvements de population en suivant simplement un plat. Et l'histoire des Celtes est formidable, puisque quand on regarde... On regarde ce que ça a fait, c'est grâce à Attila qui vient à Troie, qui perd à Troie et qui repart après que Clovis a pu devenir roi des Francs. Parce que son père qui a aidé les Romains a été remercié par les Romains et a eu des pouvoirs supplémentaires. Et donc pour une simple histoire comme ça de bataille, et tout ça, on peut le retrouver simplement en suivant des aliments, en suivant cette histoire de la choucroute ou en suivant l'histoire du camembert. Pour aller voir les prêtres réfractaires et voir ce qui se passait à l'époque. Et puis, quand on cherche des documents, on a évidemment des livres de recettes, il n'y en a pas tant que ça. Il y a des écrits, mais souvent les écrivains racontent après des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont mangées. C'est rare qu'ils soient au début de l'histoire. Et puis, il y a des sources qu'on utilise assez peu, c'est les jugements des tribunaux. Et il se trouve que moi, ce n'est pas ma vie d'écrire des bouquins sur le camembert ou sur le pois chiche, vous imaginez bien, ce n'est pas mon métier, je ne gagnerai pas ma vie avec ça. C'est un paradoxe, mais la gastronomie ne nourrit pas son homme. Et donc, j'ai un vrai métier, je suis professeur de droit. Et donc, je me suis amusé à chercher dans des jurisprudences des traces de pommes de terre. Alors, autant vous dire que quand je débarque à la Bibliothèque nationale de France à Paris et que je cherche l'andouillette dans des manuscrits médiévaux, ça les surprend toujours un peu. Voilà. À chaque fois que je débarque, ils me regardent, oh non, ce n'est pas vrai. N'empêche que l'andouillette, je suis remonté 100 ans avant Alain Rey. C'est Alain Rey qui définit l'andouillette. J'ai trouvé une trace 100 ans plus ancienne. Je lui ai écrit, il ne m'a jamais répondu. Il m'a dit, il est mort, mais à l'époque, il était vivant. Et donc, il ne m'a jamais répondu. J'étais super fier de moi, quoi, 100 ans avant Alain Rey. Voilà. Et il est déjà connu, l'andouillette de Troyes, à l'époque. Bon, bref.
Et donc, on a des jurisprudences sympathiques. Et celle-là, elle est assez rigolote, c'est une histoire de crime. Ça se passe en... Du coup, il y a un journaliste qui, en lisant le bouquin, a écrit La frite a été inventée à Percy-les-Forges, en Bourgogne. C'est un raccourci par rapport à ce que je vais dire. Mais c'est une des plus vieilles traces qu'on a de pommes de terre frites, de traces écrites. Et c'est une histoire de meurtre. Nous sommes à Pérécy-les-Forges, c'est entre Le Creusot et Paray-le-Monial, si vous voyez, en Bourgogne, le 23 décembre 1760. Dans un monastère, l'abbé Desbrosses est accusé d'avoir tenté d'empoisonner le frère Hilarion. Il a d'ailleurs été reconnu coupable et condamné, alors en appel, le 7 août 1764, aux galères à perpétuité, à être flétri des lettres galles, pour galérien, le truc quand même qui doit faire un peu mal, à une amende de 8 000 livres et dommages et intérêts. En fait, l'idée, c'est que Hilarion est en train de lire un texte au moine qui est attablé, et son repas l'attendant en cuisine. Et l'abbé Desbrosses, qui était son ennemi juré depuis des années, s'est enfui quand le frère Hilarion est rentré en cuisine. L'abbé Desbrosses est parti en courant. Et l'abbé Desbrosses regarde son plat et il dit: Oh là là, mais c'est quoi cette poudre blanche? Et du coup, il le donne au chien. Et le chien meurt. C'est pas ça le crime, hein. C'est la tentative de crime de l'abbé, pas le fait qu'on a tué le chien. Le chien meurt le lendemain dans d'atroces souffrances. Le chirurgien, alors on a même le nom du médecin légiste, un Girardet, qui identifie la poudre blanche, c'est de l'arsenic. Et donc, du coup, il y a un juge d'instruction qui vient et qui fait un PV. Et on lit que dans l'écuelle du frère Hilarion, il y avait de la soupe et deux plats d'étain dans l'un desquels étaient des haricots fricassés, dans l'autre quelques pommes de terre frites. Et donc c'est la plus vieille trace écrite qu'on a de pommes de terre frites dans un texte français. Vous voyez, il faut aller le chercher en Bourgogne, là où un moine a voulu tuer un autre moine. Et dans les jurisprudences, on a un peu plus rigolo, c'est la fameuse histoire de Parmentier. Purée. Parmentier qui aurait inventé la pomme de terre. Alors je suis vraiment désolé, mais non, pas du tout. Parmentier n'a absolument pas été promoteur de la pomme de terre. Au contraire, il a freiné les travaux qui existaient à l'époque. En fait, Parmentier, il avait une volonté absolue. Il voulait faire du pain avec de la fécule de pomme de terre. C'était son truc. Il voulait, avec la farine de pomme de terre, arriver à faire du pain. Il n'y est jamais arrivé, mais il a quand même ouvert une école de boulangerie. C'est intéressant le truc parce qu'on voit tout de suite l'individu. En fait, il a été extrêmement important sous Louis XVI. Il était important pendant la Révolution. Il a été important pendant la Terreur. Oui. Il était important sous le Directoire, sous le Consulat et anobli par l'Empereur. On a des hommes politiques assez balèzes aujourd'hui, mais survivre à 6 régimes aussi différents en restant au top, il n'y a quand même pas beaucoup. Oui. Donc le gars s'est bien occupé de son image. Il s'est extrêmement bien occupé de ses réseaux et il a donc pu ouvrir une école de boulangerie alors qu'il n'était pas foutu de faire du pain. Pour inaugurer son école de boulangerie, il a fait un méga repas, un gigantesque repas, je crois 17 ou 18 plats. Il n'y avait pas une patate. Il n'y avait que du pain de pommes de terre, enfin de farine de pommes de terre, qui était totalement immangeable et auquel les convives ne touchaient pas. Ça ne l'a pas empêché de devenir le papa de la pomme de terre et on raconte sur lui des tas d'histoires. On raconte par exemple que pour que les pauvres mangent des pommes de terre, il se dit comme ils sont quand même très cons les pauvres, il faut qu'on leur fasse un truc et il va planter des pommes de terre sur un terrain militaire qui maintenant se trouve dans le 16e arrondissement de Paris, juste en bord de Neuilly, la plaine des Sablons. Et donc il plante des pommes de terre et il met des gardes autour des pommes de terre toute la journée, ça, pour protéger ces pommes de terre. Et il dit la nuit, les gardes s'en vont. Comme ça, les pauvres vont dire c'est important, ils vont venir les piquer, ils les mangeront. Sauf qu'on a des lettres de l'époque. Parce qu'il y a vraiment eu les pommes de terre au Sablon. Il y a des lettres de l'époque de Parmentier qui écrit au commandant de la base militaire en disant: Mettez des gardes la nuit, ces cons-là viennent me piquer mes patates, quoi. Voyez, en aucun cas, il voulait qu'on vienne les lui piquer. Il voulait juste en faire de la farine de pommes de terre et on venait les lui voler, donc ça ne lui plaisait pas du tout. On a raconté aussi qu'il avait mis une fleur de pommes de terre. Il a offert une fleur de pommes de terre au roi, un bouquet de fleurs de pommes de terre au roi, et le roi, Louis XVI, donc aurait pris une fleur et l'aurait mise dans les cheveux de son épouse. Donc, il n'y a personne n'a vu cette scène, qui est néanmoins dessinée dans plusieurs dessins différents. Et chaque dessin situe cette scène à un endroit différent. Et tous ces dessins ont été dessinés un siècle plus tard. Donc, absolument personne n'était présent. Et donc, avec mon histoire de jugement, Parmentier, il est né à Montdidier dans la Somme.
Et on sait par une jurisprudence qu'à 50 km de chez lui, bien avant la naissance de son grand-père, on faisait déjà pousser les pommes de terre et qu'on les mangeait. Parce qu'il y a aussi un procès. Les chanoinesses de Maubeuge, donc à Maubeuge, elles ont tout un terrain qui va jusqu'en Belgique, qui descend jusqu'en dans la Somme, elles ont énormément de propriétés foncières, et elles perçoivent évidemment un impôt. Et elles veulent un impôt sur les pommes de terre que mangent les paysans. Sauf que les paysans ne veulent pas payer, ils disent c'est pas un fruit, c'est pas un légume, c'est une racine, il n'y a pas d'impôt sur les racines. Et on leur dit mais non, vous les mangez, donc c'est pas une racine, c'est un légume. Et ils disent non, c'est pas un légume. Donc les chanoinesses de Maubeuge les attaquent au tribunal. Et le tribunal a confirmé que d'une part, on mangeait des pommes de terre sur place depuis plus d'un siècle, donc avant la naissance du grand-père de Parmentier, et qu'en plus, évidemment, il n'y avait pas de taxes à payer puisque c'était les racines. Et c'est pour ça que l'Église catholique a fait courir le bruit qu'il ne fallait pas manger de pommes de terre et qu'elle a freiné la culture de la pomme de terre, c'est parce qu'elle ne percevait pas d'impôts. Oui, ce n'était pas du tout la pomme de terre pour lutter contre les famines, tout ça, c'est ce qu'on raconte après, mais ça aurait pu lutter contre les famines, sauf que pas du tout, parce que l'Église a freiné comme elle pouvait. D'ailleurs, les endroits où la pomme de terre s'est installée en France, c'est Montbéliard, où on a les premières cultures de pommes de terre, et on sait que les gens en mangeaient, on est en 1580 à peu près, et Montbéliard était une terre protestante. En 1580 à Montbéliard, on plantait de la pomme de terre, on cultivait de la pomme de terre et on mangeait de la pomme de terre, on consommait. On la consomme toujours avec la saucisse de Montbéliard. Il y a quelques recettes à base de pommes de terre et de saucisses. Ça, c'est bien la saucisse, vous connaissez la saucisse de Montbéliard? Moi, je me la fais livrer en Colissimo réfrigéré, elle est super bonne. Il n'y a pas mieux. Quoi. Voilà. Je suis, comment on appelle ça, compagnon du bois de chu. C'est la confrérie, c'est toujours important les titres de noblesse, bon là effectivement ça tape pas trop, mais c'est la confrérie qui défend la saucisse de Montbéliard, et donc j'ai été intronisé, voilà, compagnon du bois de chu, j'ai une belle médaille et tout. Oh, c'est un repas de folie. Ça s'est fini à 6h du mat, je crois que c'est absolument terrible. On a bien célébré la saucisse. Ah ça, on a dans tous les... Oh là, on a prié, on a chanté, on a je ne sais plus exactement ce qu'on a fait. Mais heureusement, des taxis ont été inventés avant la saucisse, parce que je ne sais pas comment j'aurais fait pour retrouver mon hôtel. Déjà, retrouver le taxi, ça peut être simple, mais retrouver l'hôtel, ça aurait été impossible. Oui, c'est une chouette ville pour sa saucisse, mon bien. C'est l'intérêt en France, c'est que partout où vous allez, il y a un truc sympa à manger. Quoi. C'est, voilà, c'est bien. À Troyes, il y a les andouillettes, mais attention, les andouillettes de Troyes, elles ne sont pas de Troyes au sens géographique du terme. C'est la fabrication, en fait, c'est la technique de fabrication. À Troyes, il y a les andouillettes de Troyes qui sont absolument dégueulasses. Qui sont très mauvaises, pardon. Et il y a d'excellentes andouillettes de Troyes dans d'autres villes. Un des producteurs qui fait les meilleures andouillettes de Troyes est à Montpellier, par exemple. C'est Ficelette. Et il fait des andouillettes de Troyes absolument sublimes. Et on en trouve comme ça dans la Sarthe aussi, un producteur d'andouillettes de Troyes qui est assez connu. Voilà, c'est la façon de les fabriquer. C'est-à-dire qu'on va prendre l'intestin du porc et qu'on va le faire rentrer en le tirant avec une ficelle dans un boyau. C'est pour ça qu'on dit andouillette à la ficelle. Donc le boyau est entier, on le coupe surtout pas, on le hache surtout pas, on ne rajoute surtout pas de viande. On tire le boyau, on tire l'intestin du début à la fin. Je ne fais pas un dessin non plus, il va vraiment jusque tout au bout. Et on le tire dans le boyau. C'est pour ça qu'une bonne andouillette est forcément bosselée. Et ne peut en aucun cas être régulière, parce que la façon dont elle est faite, ça ne peut pas être quelque chose comme à courte paille, où vous avez une espèce de saucisse qui arrive. Ce n'est pas possible du tout. Et souvent à l'intérieur, c'est haché. C'est la différence entre l'andouille et l'andouillette. L'andouille étant a priori hachée. Donc c'est la technique de fabrication à Troyes. Et cette technique de fabrication à Troyes, elle a attesté depuis 1500 et quelques. Et donc on va finir cette histoire avec la pomme de terre, qui est arrivée en Europe. Alors, on a souvent dit que c'était dans la seconde moitié du 16e, donc 1500 et quelques. En fait, visiblement, c'est plutôt dans la première moitié. Parce qu'à partir de 1550-1560, elle est non seulement cultivée, mais elle semble assez connue, donc elle a été étudiée. Donc de plus en plus, on pense que c'est aux alentours des années 1530, dans ces eaux-là, qu'elle serait arrivée en Europe, probablement emmenée par les marins espagnols qui revenaient des Amériques. C'est souvent comme ça que les nourritures ont été diffusées, soit par les marins, soit par les soldats, soit par le clergé. C'est vraiment les trois vecteurs de communication des nouveautés qu'on trouve comme ça. Et donc la pomme de terre, elle arrive et vraisemblablement, elle se diffuse en Europe parce que les marins, à l'époque, commercent, font la guerre, etc. Elles vont arriver aux États-Unis d'une façon un peu amusante. Il y a le pirate qui s'appelle Drake qui attaque des bateaux espagnols et entre autres un galion sur lequel il y aurait des pommes de terre. Il y a pas mal de pommes de terre.
Et donc ensuite, il attaque une ville, donc il garde tout ça pour faire manger son équipage. Et puis il attaque une ville aux États-Unis, c'est là où est né Pocahontas. Vous savez, c'est l'histoire de Pocahontas. Il attaque la ville et comme il a un gros butin, il faut vider le bateau. Il vide le bateau et il vire les patates. Et comme il prend tout ce qui est dans la ville, bah, les habitants de la ville se retrouvent avec des pommes de terre. Et du coup, les plantes, et c'est comme ça que la pomme de terre est arrivée aux États-Unis. C'est grâce à Drake qu'on va retrouver tout à l'heure avec cette histoire de Kennedy. Et donc la pomme de terre, elle arrive en... La pomme de terre, elle arrive en Espagne. Et puis, une première trace écrite qui, là, pour le coup, est certaine, parce qu'on a vraiment les lettres, c'est 1562. Et en 1562, le roi dont nous allons reparler, parce qu'il a un rôle extrêmement important dans notre histoire de pomme de terre, va offrir des andouillettes au pape. Va offrir des andouillettes au pape. J'ai le papier, j'ai pas les lunettes. Ah ouais, ça, c'était plus simple avant. Voilà. Et donc c'est Philippe II d'Espagne va offrir en 1562 des pommes de terre au pape. Pourquoi? Pour soigner sa maladie. Le pape a une maladie. Le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment laquelle. Il a une maladie. Alors ça n'a pas marché les pommes de terre parce qu'il est mort 3 mois après. Et je me suis dit, il a une maladie, il a une maladie. Et dans les écrits, c'est la maladie du pape. Le pape est malade. Donc j'ai repris mon email en latin. Et j'ai écrit à mon ami du Vatican, qui depuis est monté en grade. Donc j'ai eu un peu de mal à le retrouver, et je lui demande quelle maladie avait le pape. Et il me répond, là pour le coup il m'a répondu un peu plus franchement, il m'a dit c'est une maladie qu'un pape ne peut pas avoir. Donc ça ne soigne pas ça non plus, la pomme de terre. Bon néanmoins, ça part d'un bon sentiment. Philippe II d'Espagne lui offre des pommes de terre. Les pommes de terre sont plantées et on sait qu'en Italie, elles vont être étudiées, plantées et qu'elles vont être consommées. Et puis surtout, elles vont remonter vers la Belgique en évitant la France, puisque l'Église en France ne veut pas de pommes de terre à cause des impôts. Et on suit la route de la pomme de terre, elle passe par le Dauphiné, elle arrive à Montbéliard. Et on sait qu'elle passe par le Dauphiné parce qu'en Ardèche, on a un agronome. Dont évidemment le nom va m'échapper, c'est toujours comme ça. J'ai tout, hein, j'ai la date et tout. Donc en 1604, il va publier, j'ai retrouvé son nom, Olivier de Serres. Oui, Olivier de Serres. 1604, il va publier un livre dans lequel il décrit précisément la pomme de terre, et il la cultive déjà, et il raconte qu'il les a trouvées en Dauphiné. Donc elle monte le long de la frontière, Dauphiné, elle passe à Montbéliard, et on la retrouve en Belgique. Et on la retrouve en Belgique aux alentours de Mons, où un seigneur qui est le seigneur de Givry, de Civry, pardon, Philippe de Civry va la dessiner, va faire une aquarelle de feuilles de pommes, de fleurs de pommes de terre. Et on l'a toujours, cette aquarelle. Si un jour vous allez en Belgique, elle est au musée de l'imprimerie à Anvers. Et c'est la plus vieille représentation en couleur d'une fleur de pommes de terre. Elle s'installe en Belgique, donc elle évite soigneusement la France pour les raisons qu'on a vues, et elle arrivera en France un petit peu après. Quand Parmentier se bat pour son pain de pommes de terre, on a déjà un certain nombre de nobles installés entre autres à côté de Rouen, on en a d'autres en Bourgogne, qui cultivent la pomme de terre et qui nourrissent leur population, la population des alentours, avec des pommes de terre. Et d'ailleurs, le chevalier donc, qui est à Rouen, il s'appelle le chevalier Mustel, il a écrit un livre pour promouvoir la culture de la pomme de terre, il échange des plants de pommes de terre, il échange des recettes de pommes de terre, il a compris tout des cuissons, il parle du four, il parle de la pomme de terre à la cendre, il parle de la pomme de terre à l'eau. Et Parmentier, quand il se rend compte que son pain, ben, il ne pourra pas le faire, il lui pique son bouquin, il le réécrit, il le signe et il sera condamné pour plagiat. Sauf que le chevalier Mustel, du coup, n'a pas de droit d'auteur. Enfin, c'est une histoire très compliquée parce que Parmentier est un type très important. À l'époque, c'est un pharmacien qui a su monter au sommet du service de santé des armées et se rendre indispensable pour plein de gens. On raconte, alors qu'il était très modeste, on raconte qu'il était très modeste et que c'est Napoléon lui demande une liste de 10 scientifiques pour leur donner la Légion d'honneur, les 10 premières Légions d'honneur à des scientifiques. Et on lui dit, donnez-nous une liste de 10. Or, il fait une liste de 10 et il ne se met pas dessus. Et donc, Napoléon aurait rajouté à la main Parmentier pour qu'il soit 11e. Donc, on a cherché ça, on ne trouve pas ce papier non plus, il n'y est pas. On aurait été Parmentier du nom à la main de Napoléon, mais non. Alors, comme je le casse un peu dans mon petit traité de la pomme de terre, j'ai été le voir au Père Lachaise. Ça tombe bien, c'est au bout de la rue Parmentier, remarquez, il n'était pas loin. Et donc je suis allé le voir au Père Lachaise pour lui expliquer que voilà. Et c'est très drôle parce qu'il y a plein de tombes autour de maréchaux d'Empire, de gens très importants, des tombes qui tombent pour le coup totalement en ruine. Et la tombe de Parmentier, elle est absolument nickel, nettoyée. Et il y a plein de pommes de terre posées dessus.
Et c'est l'ordre des pharmaciens qui nettoie, qui paye pour que la tombe de Parmentier soit nettoyée. Et il y a des gens qui viennent près de la tombe et qui mettent une pomme de terre. J'imagine le cheminement. Pas loin, vous avez la tombe d'Allan Kardec. Et là, vous avez des gens dépressifs qui parlent à Allan Kardec. Et vous dites peut-être qu'il y a des mecs un peu dépressifs qui viennent parler à Parmentier en disant oh, tu sais, ton hachis. Je ne sais pas, j'aimerais beaucoup voir ça. Mais la tombe est nickel avec des patates. Il y a d'autres tombes, on amène des fleurs. Lui, on lui amène des pommes de terre. Mais pourquoi pas? Voilà. Et alors, d'où vient cette légende de Parmentier, quand même? Parce qu'il n'a vraiment rien fait pour la pomme de terre. Au contraire, il a freiné. Eh bien, ça a été inventé, en fait, beaucoup bien après lui. Ça a été inventé en 1860, dans les années 1870, quand on a créé l'école laïque obligatoire. C'est qu'il fallait trouver des héros laïcs. Il fallait donner aux enfants des figures importantes en disant, regarde, tu vois, lui, et plutôt des gens un peu de gauche, c'est-à-dire des gens très importants qui s'occupaient, vous voyez, des pasteurs. Vous avez déjà vu Pasteur quand il vaccine le petit gamin, il est en costume, cravate, avec son machin, tout dans sa cuisine, comme ça, et le pauvre gamin est assis par terre, tout comme ça, sous la puissance de Pasteur qui est gigantesque, comme ça, et qui veut lui faire sa piqûre, comme s'il était. Eh bien, il va falloir trouver des héros comme ça. Alors, on va avoir Charlemagne qui a inventé l'école. Qui n'a jamais inventé l'école. Hein. Platon était prof de fac, donc Charlemagne n'a rien inventé, mais on va quand même néanmoins inventer des trucs comme ça, la barbe fleurie, enfin des choses qui passent vers Saint-Gétorix, voilà, plein de trucs. Et dans l'eau, il y a Pasteur et puis il y a Parmentier. Et on a plein d'images d'Épinal, et c'est là qu'on va retrouver Parmentier qui offre des fleurs au roi, qu'on va retrouver Parmentier et ses patates du camp des Sablons, etc. etc. C'est l'imagerie d'Épinal qui va pousser ce mythe de Parmentier qui est répété tout le temps. Et donc un jour, j'ai fait l'émission de télé Les Carnets de Julie avec le chef, là, vous savez, comment il s'appelle, celui que tout le monde adore, le petit chauve. Enfin bon, bref. Comment vous dites? Non, non, non. Non, petit Renaud, il cuisine pas. Petit Renaud, il mange pas, il boit pas, il mange que des graines. Thierry Marx. Voilà, merci beaucoup. Et donc, dans l'émission, il commence par expliquer que Parmentier, grâce à lui, la pomme de terre, il a sauvé les foules, tout ça. Et puis ensuite, à la fin de l'émission, l'idée, c'est qu'on mange un hachis Parmentier tous ensemble. Il est froid, il est immangeable, il est immonde, il est dégueulasse, il n'est pas cuit. Enfin, mais il faut dire, il est très, très bon. Et donc, on s'assied autour de la table. Et Julie donc, me dit, alors, Parmentier? Et donc, je lui dis, ah, bah non, il n'a rien inventé du tout. Vous avez vu la gueule de l'autre, là. Ça a été coupé au montage, du coup, mais. Mais voilà, les chefs aussi racontent ça et le racontent et le racontent et le racontent. Voilà. Donc je lui ai offert mon bouquin, il m'a dit non, merci. Voilà. Je ne serai plus invité. Mais si, voilà, la légende est plus forte. C'est toujours la légende est plus forte. Et puis surtout, on répète sans vérifier. Vous allez me dire, il est chef, il a autre chose à faire. D'accord, mais moi, je ne cuisine pas. Enfin, que chacun son boulot, quoi. Hein? Bon, bref. Voilà pour Parmentier, donc les héros laïcs de la Troisième République. Et puis je vous ai dit qu'on essaierait de trouver des responsabilités à l'assassinat de Kennedy. Ça a l'air compliqué comme ça, mais non, c'est relativement logique. Figurez-vous que notre ami Philippe II d'Espagne, tout à l'heure, qui a offert des pommes de terre au pape, son rêve, c'est d'attaquer l'Angleterre. Il veut absolument attaquer l'Angleterre et il possède déjà les Pays-Bas, donc une partie de la Belgique, de la Hollande. Et il a basé là des troupes d'élite, on appelle les tertios. C'est des troupes à pied, d'élite, sont vraiment très dangereux. Et donc, il décide de faire partir d'Espagne en 1588 l'invincible Armada. Alors, l'invincible Armada, ça rigole pas. 130 navires, 30 000 hommes. Et parmi ces 30 000 hommes, il y a 20 000 soldats. Les autres, c'est des marins. L'idée, c'est que ces 130 navires arrivent d'abord aux Pays-Bas, récupèrent les Tercios, traversent la Manche, et l'Angleterre deviendra espagnole. Il est prêt, il attaque. Sauf qu'il va confier la direction de la flotte à un duc de Médina, exactement de Sidonia Médina, qui n'est jamais monté sur un bateau, qui n'a aucune idée de ce qu'est un combat naval et qui a le mal de mer. La totale, oui, c'est embêtant. Et en face, la flotte anglaise est également, on va dire, pilotée par un type qui est complètement nul, mais qui est en second. Et le second, c'est Drake, le fameux pirate de tout à l'heure. Drake est le second de la flotte. Et Drake dit, il n'est pas question qu'on attaque la flotte espagnole de front. On va se faire démonter. Ils sont beaucoup plus forts que nous. On se cache et on les prend par derrière. Et comme on a des petits bateaux, on passe dans leurs grands bateaux, on tire des deux côtés et on se barre. Et donc, il fait cette technique de guérilla sur la flotte espagnole, qui du coup part à gauche, part à droite, se cache, se perd. Enfin, voilà. Terrible. Mais tellement terrible qu'il ne récupère jamais les tercios. Ils mettent jamais un pied en Angleterre
mais qui ne peuvent pas reculer. Parce que s'ils reculent, ils se tapent la flotte anglaise en face, qui est prête à en découdre, avec des pirates à bord, avec des vrais marins, alors que les Espagnols sont totalement paumés. Au lieu de redescendre vers l'Espagne, eh ben, ils décident de faire le tour de l'Angleterre. Et donc, ils partent vers le nord, ils vont jusqu'au Shetland, et ils redescendent de l'autre côté. Évidemment, il y a des tempêtes et ils n'ont pas de carte. Et donc, ils vont perdre plein de bateaux. Si vous allez au Shetland, vous allez voir qu'il y a plein de familles Sanchez, Fernandez, Gomez, mais vraiment implantées sur place. Vous avez l'épicerie Sanchez et vous avez un Anglais parfait. Voilà, ce sont des descendants. Parce qu'évidemment, quand ils vont, ou des Pérez, ou des, voilà, les bateaux vont tomber. Ils redescendent, mais ils se prennent une tempête au large de l'Irlande. Et là, pour le coup, la flotte est franchement décimée. Il y a une vingtaine de bateaux qui s'écrasent sur les côtes irlandaises. Les marins espagnols n'ont rien contre les Irlandais, qui n'ont rien contre les Espagnols. Donc, ils essayent de réparer les bateaux. Ça va prendre du temps. Ils s'installent sur place. Certains repartiront sûrement jamais. Et on fait copain-copain. Et pour faire copain-copain, il faut faire des échanges. Et les Espagnols, ils ont les pommes de terre qui se trimballent depuis l'Amérique du Sud. Et donc, ils donnent des pommes de terre aux Irlandais. Ils changent de bons procédés. On se rend des services. Et comme les Irlandais, qui sont déjà sous domination anglaise, n'ont pas le droit de développer d'activité industrielle, ils disent ben, on va planter des patates. Et ils vont planter des pommes de terre, mais de façon industrielle. C'est-à-dire l'Irlande devient quasiment un champ de pommes de terre. Et quelques années après, mildiou de la pomme de terre. Énorme famine en Irlande, plus de 100 000 morts. Toutes les cultures de pommes de terre sont fichues. Il n'y a plus rien à manger, il n'y a pas de travail, c'est terrible. Et que font les Irlandais? Ils émigrent. Et ils émigrent où? Aux États-Unis, dont la famille Kennedy. Et donc, sans Philippe II d'Espagne, sans l'Armada, pas de pommes de terre en Irlande, et Kennedy n'aurait jamais été président des États-Unis. Il y a donc une responsabilité claire des Espagnols dans cette histoire. C'est un peu tordu. D'accord, mais ça tient la route. Voilà, voilà. Bon, de quoi je ne vous ai pas parlé encore? Je vous ai tout raconté, je crois. Alors, l'assassinat en lui-même, ce n'est pas les Espagnols, mais... Oui. Mais sans... S'ils n'étaient pas montés là-bas, mais il y en a beaucoup qui sont montés là-bas, hein, des Irlandais. D'ailleurs, c'est que si vous allez aux États-Unis, le plus simple, c'est de prendre un avion pour Dublin, parce qu'à Dublin, vous pouvez faire toutes les formalités douanières. Donc, quand vous arrivez aux États-Unis, vous avez tous les mecs qui sont bloqués par le contrôle, et vous passez... en chantant parce qu'il y a une douane américaine à Dublin. C'est le pays d'Europe qui permet d'entrer le plus vite aux États-Unis. Je dis ça comme ça, je n'ai pas, d'action dans la compagnie Aer Lingus, mais du coup c'est pratique parce que ça évite de faire la queue dans les aéroports. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai raconté? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu vous raconter? On a parlé des frites aussi, je ne sais plus qui voulait qu'on parle des frites. On va parler un peu des frites belges, quand même un peu, parce que ce n'est pas n'importe quoi. Question, non, quelque chose? Oh, l'omelette de la mère Poulard, on n'a pas vraiment la recette, mais on pense qu'il y a plus de blanc que de jaune, parce que c'est une omelette extrêmement crémeuse. Et donc l'idée, c'est qu'il y a deux fois plus de blanc que de jaune et que les blancs sont montés en neige. Voilà, on les monte en neige, on incorpore les jaunes après. Ça semblerait être la seule. Ça a été testé, il y a des chefs qui ont essayé plusieurs fois de faire ça. Les chefs étoilés se sont souvent intéressés à des plats de tous les jours. Michel Sarran, par exemple, l'étoilé toulousain, vient de créer une chaîne de magasins de croque-monsieur. Et donc, ils développent des recettes de croque-monsieur. Ils sont très bons, ces croque-monsieur. Ça s'appelle croque-michel, je crois, ces restos. Et donc, on est... Bon, c'est pas donné non plus, hein, c'est Michel Sarran. Mais voilà. En Belgique, on a un étoilé qui fait des frites. Ça s'appelle Frites Atelier à Bruxelles. C'est des frites un peu différentes des frites belges traditionnelles, mais il a effectivement monté la frite à un niveau assez impressionnant. Et tous les chefs ont travaillé comme ça. Ils ont travaillé sur le jambon beurre, par exemple, etc. Mais il y a Bernard Loiseau, vous vous souvenez, Bernard Loiseau, un chef qui s'est suicidé il y a quelques années, qui avait un restaurant donc, en Bourgogne. Lui, il s'était intéressé à l'œuf sur le plat. Alors, tout le monde dit, ouais, enfin, l'œuf sur le plat pour un chef étoilé, mais non. Parce qu'avec une recette bien précise, ne jamais cuire le jaune. Donc pour lui, faire un œuf sur le plat, vous ne mettez que le blanc dans la poêle et vous conservez le jaune dans la coquille. Le blanc, on va le saler, jamais de sel sur le jaune. Et quand ce sera cuit, on l'enlève de la poêle pour mettre dans l'assiette et on pose le jaune sur le blanc et on le poivre. Jamais de poivre sur le blanc, jamais de sel sur le jaune. Et le jaune va cuire tout seul, très peu, mais il va cuire tout seul grâce au blanc d'œuf.
qui sera un peu chaud. Et là, du coup, surtout si vous avez un bon œuf, comme on peut en trouver ici, quoi, un vrai œuf de poule, voilà, bah du coup, c'est quand même un goût. Ah ouais, c'est classe, c'est bien meilleur. Et puis c'est assez facile de mettre un petit rond dans la poêle pour avoir une omelette un peu ronde, enfin un œuf sur le plan un peu rond, ça jette, quoi, ça fait bien. Et tant qu'on est sur les œufs, puisque je vous sens aimer les recettes, moi je viens de Belgique, donc je suis d'origine belge, et ici on a un truc formidable, c'est l'asperge de Sable des Landes. Bon, des asperges, j'en trouve dans la terre entière. Il y a des asperges très connues en Belgique, il y a des asperges en Alsace, il y a des asperges partout. Mais moi je fais ici une recette belge, c'est les asperges à la flamande. Et justement, il y a des œufs dedans, c'est pour ça que j'y pense et que je vous en parle. On cuit les asperges à l'eau tranquille. À côté de ça, on fait des œufs mollets, mais très mollets. Donc vraiment cuit le moins possible. On les écaille évidemment, on les hache. Vraiment, il faut que l'œuf soit complètement écrasé en tout petits bouts. Et on l'écrase dans du beurre fondu dans une poêle. Donc un peu de beurre fondu. On écrase les œufs mollets, d'accord? On met du persil frais et on verse ça sur les asperges. C'est un délice absolu. C'est super facile à faire. C'est bon. D'ailleurs, j'en fais demain. Mais je vous. Eh oui, parce que c'est bientôt la fin de la saison des asperges. Donc là, on a acheté des œufs de ferme au marché et puis des asperges. Et c'est vraiment très très bon pour les asperges. Tous les gens à qui j'ai fait goûter ça me redemandent des asperges à la flamande. Et donc les frites en Belgique, elles sont arrivées, figurez-vous, de Paris. Parce que la frite n'est pas belge. Bon, les pâtes ne sont pas italiennes non plus. Et puis les rois des pâtes, maintenant, c'est les Italiens. On ne va pas leur piquer l'idée. Mais les frites, elles sont parties de Paris. Les plus vieilles traces écrites qu'on a de frites, on les appelle les pommes Pont-Neuf. C'était d'abord des rondelles de frites, de pommes de terre, pardon, qui étaient cuites plutôt au beurre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'huile. L'huile coûtait extrêmement cher. Donc on utilisait soit de la graisse animale, mais plutôt dans les campagnes que dans les villes, soit du beurre, parce que l'huile d'arachide était extrêmement chère en France, voire totalement inaccessible, et l'huile d'olive, on ne la connaissait pas encore vraiment. Et donc on les vendait, ces pommes de terre, dans des petits cornets comme les frites. Des petits cornets sur le Pont Neuf, qui était le nouveau pont où les Parisiens aimaient se promener. C'était le coin au bord de la Seine, les gens allaient se balader. Et donc, on a commencé les pommes Pont Neuf, là. Celui qui les a emmenés en Belgique, il venait, en fait, il est allemand. Il a quitté ses parents quand il avait 15-16 ans. Et il est monté à Paris pour apprendre à cuisiner. Et il a appris à faire des pommes Pont Neuf. Et il s'est dit, je redescends en Allemagne avec ça. Et je vais faire fortune, quoi, parce qu'on ne les connaît pas. Je vais avoir beaucoup de succès si je me mets dans des endroits importants, étant Bavière, donc aux alentours de Munich. À Munich, à côté des théâtres, des spectacles, je vais pouvoir vendre des pommes de terre. Et ses parents étaient comédiens, ambulants. Et ils étaient à ce moment-là sur une foire en Belgique, la foire de Liège. Et on est donc dans les années 1820 et quelques, 24, 25, d'après les historiens. Et donc, il est monté en Belgique avec tout le matériel pour faire des pommes Pont Neuf, pour retrouver ses parents et son frère et redescendre ensuite à Munich. Et quand il arrive en Belgique, ses parents ont leur tente dans laquelle ils font des spectacles. Il se dit, bah, en attendant que vous ayez fini, parce que la foire dure un mois, je vais me mettre devant et je vais vous montrer que ça marche, les pommes Pont Neuf. Et ça marche tellement bien qu'il dit à son frère, bah, moi je reste là. Pourquoi tu veux que je reparte? Et donc il reste là. Il aura quelques années après jusqu'à 10 friteries qui vont tourner. Et c'est lui qui va théoriser la frite belge. Et il ne va pas la théoriser parce que c'est un gastronome, mais parce que c'est un homme d'entreprise. Et qui va avoir un souci, c'est que ces frites, d'abord, il faut les couper. Et qu'en rondelles, c'est galère. Donc, il va très vite avoir l'idée de les couper en bâtonnets et de les couper en les mettant sur une grille et en les poussant sur une grille pour qu'elles se coupent toutes seules, parce que ça va beaucoup plus vite. Ensuite, il y a beaucoup de monde devant sa friterie. Il y a énormément de monde et il faut aller vite. Donc, il décide de les pré-cuire. Et quand il les cuit devant la population, devant les gens qui achètent, il les cuit à l'huile végétale qui arrive des colonies. Cette huile végétale, il en a pas mal. Donc il la cuit à l'huile parce que ça fait classe, mais c'est cher l'huile encore. Donc il se dit, on va les pré-cuire à l'abri des regards, et là on fera avec une graisse animale parce que c'est moins cher. Et donc il commence à faire la fameuse double cuisson belge avec graisse animale, graisse végétale. Il le fait simplement pour gagner du temps et de l'argent. Parce que quand elles sont pré-cuites et qu'on vient les commander, il reste plus que 5-6 minutes de cuisson. Alors que sinon, c'est beaucoup plus long. Et donc, ce gars va être extrêmement connu. Il va devenir pote avec Victor Hugo quand Victor Hugo va quitter la France. On a avant de partir à Guernesey, on a des témoignages. Enfin voilà, il a vraiment été très important en Belgique. Et surtout, il a deux cousins qui l'ont rejoint, qui étaient grecs, c'est des cousins de sa femme,
cousin de sa belle-sœur, pardon, des cousins de sa belle-sœur qui vont les rejoindre. Et ça, c'est très très drôle parce que c'est les deux qui ont créé les pralines en Belgique. Donc c'est Daskalides et voilà, ça recommence. C'est le trou de mémoire. C'est les deux pralines belges super connues. Aidez-moi, quelqu'un, non, les pralines belges. Léonidas, merci beaucoup. Il y a toujours quelqu'un dans la salle qui me vient. Voilà. Léonidas et Daskalides, voilà. Alors Daskalides est moins commercial, meilleur à mon avis que Léonidas. Léonidas est beaucoup plus développé, devenu plus industriel. Mais donc ce sont des cousins de ce fameux Fritz, Monsieur Fritz, il s'appelait, le gars qui a popularisé la frite en Belgique. Et une des raisons pour laquelle cette frite n'aurait peut-être jamais vraiment quitté la Belgique, parce qu'elle ne s'est pas implantée autour. Hein. Hollande, il n'y en a pas beaucoup. Au Luxembourg, il n'y en a pas. Dans le nord de la France, mais vraiment le nord de la France, plus on descend, moins elles sont bonnes, moins elles sont vraies. C'est que la Belgique s'est créée en 1834. Et que c'est le moment auquel il arrive en Belgique et qu'il est sans papier. Et qu'il n'a pas pu requitter la Belgique. Parce que n'ayant pas de papier, comme les frontières se sont installées, il n'a pas pu repartir. Et donc il est resté avec son frère. Il était bloqué dans le périmètre belge pour développer ses friteries. Et donc c'est ça le secret des vraies frites belges. Deux cuissons. Une première cuisson à la graisse animale. Alors maintenant en Belgique, on prend de la graisse de bœuf, qu'on appelle du blanc de bœuf. Dans des régions plus rurales de Belgique, c'était de la graisse de cheval pendant très longtemps. Non, c'est plus rare, il y en a encore, paraît-il, mais c'est très rare. Première cuisson, 7 minutes, 7 à 8 minutes à 175 degrés dans de la graisse animale. 20 minutes de repos. On les allonge sur une grille métallique pour qu'elles se reposent, qu'elles se remettent du choc de la cuisson et surtout qu'elles perdent leur graisse. Et ensuite, deuxième cuisson, 7 minutes, 170 degrés dans une huile végétale. Et c'est ça qui fait les vraies frites belges. Le souci, c'est qu'il faut deux fritures. Oui, mais quand c'est bon, ça fait des vraies frites belges, quoi. Et ce qui fait le succès de la frite belge, c'est non seulement qu'elle est bonne, mais c'est surtout qu'en Belgique, c'est un plat. C'est-à-dire, c'est pas un accompagnement. On ne fait pas un steak frite. On fait une frite avec éventuellement une saucisse ou un cervelas ou quelque chose. Mais la frite, c'est le repas. C'est très culturel, hein, en Belgique. Le vendredi soir, vous pouvez attendre 1 heure devant les friteries. Et ce qui est très drôle, c'est que les gens attendent. Et ce qui est très drôle aussi, c'est qu'il n'y a pas, à part ce restaurant étoilé qui a ouvert cette friterie un peu, on va dire, surprenante au centre de Bruxelles, vous n'avez pas des friteries plus chères que d'autres. C'est-à-dire le notaire et le plombier vont à la même friterie que la friterie du village. Il y a 3 500 friteries en Belgique. Pour un pays de 8 millions d'habitants, il y en a vraiment tout le temps, partout. Et chacun a la sienne. Et le vendredi soir, il y a parfois 1 heure d'attente, alors que ça va relativement vite. Il y a une quantité de frites parce qu'on va chercher les frites et on les ramène à la maison. Pour les manger en famille. Et c'est toujours les hommes. Vous verrez jamais une nana aller chercher des frites. C'est extrêmement rare. Le soir, dans les friteries, c'est que des mecs qui ramènent à la famille. Vous savez, l'homme qui va, le chasseur-cueilleur, qui va chercher la nourriture pour sa famille et qui ramène ses frites chaudes. Voilà. C'est très, très culturel, cette histoire, avec une petite bière. Si vous allez à Toulouse, un jour, à Seille, juste à côté de Toulouse, à côté des usines Airbus, à Seille, il y a une friterie belge tenue par un Belge. Vous passez la porte, vous êtes en Belgique. Tout est parfait, les frites sont parfaites, il a toutes les sauces belges, les mayonnaises qu'il va chercher en Belgique, il a de la bière belge, il a tout belge. Voilà. Et c'est les meilleures frites qu'on peut manger dans le coin. Et je vous les conseille fortement. On arrive toujours à parler de frites, en fait. Question, quelque chose? Ça va, vous tenez bon? Vous avez faim? Ah oui. Ah oui. Ah oui, c'est un vrai souci, ouais. Moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas compétent, mais je me dis que s'il y a autant d'erreurs dans tout ce qu'on nous raconte que dans ce que je trouve en faisant des recherches. Oui, tout à fait, oui. Oui, non, mais tout à fait. Et je vous disais l'histoire du croque-monsieur avec ce Michel Lurcana, la Lunarca, je l'ai retrouvé sur, je crois, 300 sites. Mot à mot. Et y compris le Figaro, des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un journaliste qui a été payé pour écrire un article, il était sur Internet, il a recopié, et donc il est écrit que gna gna gna. Et c'est énervant. Enfin, je veux dire. Vous allez me dire que ça n'a aucune importance, on parle du croque-monsieur, c'est vrai que ce n'est pas non plus de la géopolitique de haut niveau, mais est-ce qu'ils ne font pas ça avec tout le reste? C'est ça, moi, ma question. Effectivement, on peut dire le croque-monsieur, c'est pas sérieux, oui, mais bon, quand même, c'est un croque-monsieur, quoi. Et c'est ma crainte, voilà, c'est ma crainte, ouais. C'est vrai. Bon. Voilà. Si vous voulez jeter un oeil, j'ai amené quelques bouquins. Comme je suis un mec très organisé, j'accepte la carte bleue. Et ouais, voilà. Et donc, voilà, c'est des livres qui racontent un peu ce que je vous ai raconté, dans lesquels il y a à chaque fois entre 50 et 100 recettes.
du produit. Voilà. Donc si vous voulez jeter un œil, juste pour le plaisir, ça me fera plaisir. En tout cas, merci d'être venu. Merci à ceux qui étaient... Merci à ceux qui étaient loin. Et puis, une prochaine fois, là, vous avez encore une heure pour visiter le musée. Donc, profitez-en. En tout cas, merci à vous. Merci.